Hier, nous allons commencer la première partie de l'enseignement sur les grandes réalités du monde spirituel pour triompher du monde en Christ. Hier, nous avons compris la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Vous avez aussi compris comment se passe, comment s'est passée la création de l'homme. Donc esprit, l'homme qui a une âme et un corps. Hier, nous avons compris comment les esprits deviennent nés de Dieu par la nouvelle naissance ou le baptême de régénération. Le pouvoir spirituel de la parole. Hier, nous avions compris comment quelqu'un peut être né de Dieu, adorer Dieu, être dans la sainte doctrine, mais ne pas encore avoir subi l'expérience de la rédemption. Nous avons compris que la volonté de Dieu est que tous ceux qui sont nés de Dieu soient aussi délivrés. Tous ceux qui naissent de Dieu doivent adorer Dieu, louer Dieu, leur esprit, leur âme, leur corps doivent appartenir à Dieu. C'est ça la volonté suprême de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour laquelle il nous donne la nouvelle essence. Par le pouvoir spirituel de la parole de Dieu. Néanmoins, tu es né de Dieu. Parfois, tu sens en ton âme il n'y a pas la paix. Tu sens en ton âme que tu n'es pas heureux. Tu sens que ta joie n'est que superficielle. C'est quand tu viens à l'église que tu te réjouis. Tu as la raison, c'est le peuple. Parce que tu n'as pas la connaissance des lois spirituelles du royaume de Dieu qui peuvent te donner la délivrance, la restauration de ton âme. Nous avons compris hier comment les âmes de ceux qui sont nés de Dieu, d'abord ceux qui ne sont pas nés de Dieu, leur âme est emprisonnée. Mais ceux qui sont nés de Dieu, mais qui n'ont pas encore la connaissance des lois spirituelles, qui la restauration de leur âme, se retrouvent dans les prisons. Leur âme se retrouve dans les prisons. Leur esprit participe au culte. Mais leur âme n'est pas dans le corps. Or, la volonté de Dieu est que l'âme demeure dans le corps. C'est ça la paix de l'âme. Pendant que tu vis sur terre, Dieu n'a pas créé l'âme pour que l'âme soit dans les prisons. Dieu n'a pas créé l'âme pour que l'âme vive dans les régions sataniques. Dieu a créé l'âme pour que l'âme vive dans le corps et que l'esprit soit connecté aussi. Parce qu'il dit, il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est nos esprits nés de Dieu qui s'asseignent dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que tu vis sur terre, ton esprit est connecté aussi. Mais là, toi dans le corps, pour que la vie de l'esprit influence l'âme spirituelle, pour que l'âme spirituelle obéisse à la volonté de Dieu, et que le corps expérimente l'œuvre de l'esprit, qui est la volonté de Dieu. Et si l'âme puissante
commence à gouverner l'esprit, l'homme deviendra charnel. Parce que l'âme du sang est dans la chair. Et nous avions compris hier que l'esprit ne peut pas être en prison. Ou bien l'esprit est un souffle qui est protégé par l'âme dans le corps. Qui permet de faire des attouchements, de toucher l'univers physique par le corps physique. L'esprit est un souffle. L'esprit est une lumière. L'esprit est comme un éclair qui ne peut pas être emprisonné. Mais c'est là que la partie terrestre, l'esprit spirituel, qui en réalité peut subir les emprisonnements. Et nous allons dire hier qu'il y a l'âme à deux natures, la nature terrestre naturelle. Et la nature spirituelle. Alors, quelle est la partie qui peut être emprisonnée de l'âme? La partie spirituelle de l'âme peut être emprisonnée. Parce que cette partie spirituelle vient de l'âme. Cette partie spirituelle elle vient de la nature naturelle. Quoi qu'elle soit spirituelle, l'âme est créée dans la nature, dans le monde naturel. C'est cela. L'âme spirituelle, quoi qu'elle soit spirituelle, peut être emprisonnée. Et là, quand pendant qu'elle est emprisonnée, la personne vit sur terre. Et qu'est-ce qui fait pour qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne meurt pas? Sans l'âme, l'homme ne peut pas vivre sur la terre. Mais l'âme spirituelle est emprisonnée. Mais l'homme vit encore. Et est dans le malheur, le chagrin. Parce que il y a l'âme naturelle qui est dans le sang, qui donne la vie au corps. Cette vie n'est pas une vie spirituelle. Dans la terre, cette vie qui est dans le sang, elle vit dans la chair. C'est compris? Alors, ceux qui ne sont pas délivrés sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Nous avons compris la loi du commerce naturel. Le monstre de la mer et le dragon de la terre. Ou bien, nous avons aussi compris comment Satan fait les achats et le monde spirituel. Comment dans le monde spirituel, satanique, il y a échange. Et c'est les âmes qui ne sont pas délivrées, rachetées, qui sont ces marchandises qui constituent le commerce spirituel. Comment c'est pas le prince de ce monde? Je vous ai dit que si quelqu'un n'est pas en Jésus, ton fils, son âme est dans la prison. Si quelqu'un est en Jésus, croit en Jésus, mais n'a pas la connaissance de la parole, n'a pas la révélation de la parole, son âme est encore en prison. Parce que sans la révélation, sans la connaissance, comment tu pourras commander à ton âme de sortir de sa parole? Comment tu peux dire là où nous sommes maintenant, c'est fini? Je sais de subir cette tortue spirituelle. Sans la connaissance, cela n'est pas possible. Et c'est ça. L'âme continue à être dominée. Commencez par influencer l'esprit. Et à la mort, c'est l'enfer. Et oui. C'est ça le commerce qui est en plein. Et quand la Bible dit n'aimez pas le monde, il y a ceux qui sont dans le monde. Quand il a compris, il y a que ce n'est pas les choses physiques que tu touches. Ou bien, c'est pas ton frère, c'est pas les otages. Ou bien, qui ne veut pas d'étage ici? Qui ne veut pas de bonnes choses ici? Qui ne veut pas un bon pouvoir? Qui? Vous voulez tous des pierres? Ou bien, vous voulez tous des pierres? Ça, c'est quelque chose qui est dans l'homme naturel. Oui,
naturelle, s'affichent aux choses naturelles. Mais l'homme spirituel s'affiche aux choses spirituelles. Oui, nous sommes dans la nature. Comme nous sommes spirituels, nous sommes dans la nature. Quand nous sommes autour de la nature, nous sommes obligés d'aimer aussi les choses de la nature. Mais les choses que nous ne devons pas aimer, le monde que nous ne devons pas aimer, n'aimons pas le monde. Quel monde? Le commerce dit. L'organisation spirituelle, parce que les choses négatives qui sont le monde naturel proviennent du monde spirituel. Faut mieux être spirituel et discerner les choses dans le monde naturel. Faire la part, pitié à part, le mal à part. Que le Père Chanel ait englouti tout ensemble. Alors ceux qui dominent dans le monde spirituel, sont des hommes spirituels. C'est pourquoi vous êtes nés de Dieu. Par la nouvelle essence, vous êtes devenus des hommes spirituels. Par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Vous devez aussi être capable de ne pas être influencé par le commerce. Avoir la force du Saint-Esprit. Notre esprit doit recevoir le pouvoir spirituel de la parole. La âme doit sentir la volonté du Saint-Esprit pour obéir à la voix de Dieu et dominer son esprit. En Jésus, nous avons le pouvoir de sortir des prisons pour adorer, louer Dieu. Attends Jésus. Alors, il y a une vérité que je dois vous dire. Je vous ai dit hier, mais je dois vous le dire. Je dois vous dire cela. Alléluia. Amen. L'esprit de l'homme doit naître de Dieu. Nous savons tous. Est-ce que c'est l'âme qui reçoit la nouvelle essence? Est-ce que c'est l'âme qui reçoit la nouvelle essence? Répondez-moi. Non. Ah oh. C'est l'esprit qui reçoit la naissance d'en haut ou bien? Parce que la naissance, l'homme est esprit. Donc, pour que l'homme naisse de nouveau, maintenant, qu'est-ce que l'âme subit? Qu'est-ce que l'âme doit subir? La quoi? Non. Je dis que l'esprit doit naître de Dieu. Dis que l'âme ne doit pas naître de nouveau bien. L'âme ne vient pas du ciel. L'âme est dans la corruption terrestre. Alors l'âme doit faire quoi? Je vous ai dit que l'âme, c'est dans les prisons que l'âme, les ténèbres cherchent à emmagasiner l'âme. Alors, si l'esprit doit naître de Dieu, l'âme doit subir quelle opération? La quoi? Comment on appelle cette délivrance? La rédemption. La rétention de l'âme. L'âme ne subit pas la nouvelle essence. Parce que ce qui est de chair est chair. L'âme est de la chair. Ce qui est de chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. C'est notre esprit qui doit être né de Dieu. Notre âme, au contraire, doit subir la rédemption. L'esprit doit subir la régénération. Mais l'âme, au contraire, doit subir la rédemption. On ne parle pas de la rédemption de l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas être dans les prisons. L'esprit de l'homme ne subit pas la loi des commerces. L'esprit n'est pas un emballage. C'est l'âme qui est un emballage de l'esprit. Une enveloppe. Est-ce que vous comprenez? Il est comme ça. Donc c'est l'âme qui a besoin de rédemption. L'esprit a besoin de
régénération ou de nouvelle naissance ou de naissance. Parce que l'esprit est du ciel, l'âme est de la terre. Le terrestre n'héritera pas le céleste. Le céleste n'héritera pas le terrestre. Il y a une opposition entre le spirituel et le céleste et l'âme terrestre. C'est compris? C'est compris? Acclame Jésus. Donc là, lorsque l'esprit reçoit la nouvelle naissance, je dis que la nouvelle naissance c'est quoi Jésus? De son cœur, de se répentir. En même temps, la grâce de Dieu te donne le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit met en toi le pouvoir spirituel. C'est ça la naissance. La foi en Jésus. C'est ça le moyen de la nouvelle naissance. Ou bien, c'est ça. Celui qui est né de Dieu, tu viens du monde. La victoire qui vient du monde, c'est quoi? La foi. C'est cette foi qui donne la nouvelle naissance. Mais pour la rétention, pour l'âme, c'est la rétention. L'âme doit être délivrée, restaurée, pour louer Dieu sur la terre. L'esprit est sauvé pour avoir une communication avec le surnaturel. L'esprit est sauvé pour avoir une communion avec le divin et hériter la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que l'esprit doit être sauvé. C'est pour la vie éternelle que l'esprit naître de Dieu. Parce que l'esprit est éternel. L'âme n'est pas éternel. L'âme n'est pas éternel. L'esprit est éternel. Parce que c'est l'esprit qui vient de l'éternité. Si tu crois en Jésus et tu marches sur ses paroles, ton esprit vivra éternellement avec Jésus. Si tu rejettes Jésus, tu demeures incrédule. Tu mélange l'iniquité et le péché avec Jésus. Ton esprit, au dernier toujours, ira dans le feu éternel. Avec l'esprit sauvé aura un corps de gloire. Un corps spirituel glorieux. Un corps spirituel qui sera un corps glorieux. L'esprit sauvé aura un corps glorieux. Ce n'est pas ce corps. L'esprit sauvé n'aura pas l'âme ni le corps comme emballage. Non. L'esprit sauvé n'aura pas l'âme et le corps comme enveloppe ni emballage. L'esprit sauvé n'aura pas l'âme et le corps comme emballage. L'esprit sauvé aura un corps glorifié comme emballage. L'esprit s'en souffle. Alors le souffle a besoin d'une emballage. Ou bien, pour vivre, pour toucher les choses. Donc pour aller au ciel, notre esprit n'aura pas un corps terrestre. C'est un corps glorifié céleste. L'âme est corruptible. L'âme est terrestre. Est-ce que vous comprenez? Notre âme n'ira pas dans la vie éternelle. C'est notre esprit qui vivra éternellement. Notre âme aussi, comme c'est sur la terre, il y a des montées, non? C'est sur la terre que l'âme a été créée. L'âme aussi doit être désintégrée ou détruite sur la terre. Que l'esprit qui vient de l'éternité aille dans l'éternité. Si ton esprit a fait le bien, il ira dans la vie éternelle avec un Jésus. Si ton esprit a fait le mal, avec de Jésus, tu iras dans la mort. C'est ton esprit qui ira dans la mort éternelle. Avec un corps non glorieux. Ton esprit ira, si tu n'as pas fait le bien, ton esprit ira dans la mort éternelle. Dans le feu éternel, avec un corps non glorieux. C'est compris? Qui a compris? Acclame Jésus. Qui a compris ici? D'accord? Donc l'âme, c'est pas l'âme qui ira dans l'éternité. Quand tu meurs aujourd'hui, il y a quelque chose, un mystère. Il y a le cordon d'argent. Et c'est
il y a le vase d'or qui est brisé. C'est-à-dire ton âme spirituelle, ton âme, tout ça, les deux ne sont plus en toi. Et c'est ça la mort. Vous avez compris? Après la mort, ton esprit tient le souffle. Dieu le reçoit. Dieu reçoit ton esprit qui est le souffle. Ton âme qui n'est pas un souffle, mais qui est un emballage. Mais un emballage spirituel. Il ira dans une région spirituelle. Même dans la terre. Parce que l'âme est terrestre. Et non, céleste. Vous avez compris? L'âme spirituelle ira dans un endroit dans la spiritualité. Mais pas au troisième ciel, dans un univers. Si tu meurs en Christ, ton âme ira dans un lieu appelé lieu de repos. Et ce lieu de repos, ce n'est pas le ciel où Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est là on appelle le Saint Abraham. C'est là où tous les patriarches sont. Ils ne sont pas au ciel même. Ils sont dans un royaume ou dans un univers appelé lieu de Saint Abraham. Si tu meurs en Christ, d'abord si quelqu'un meurt, son corps va la poussière. Son âme qui est dans le sang va vider, parce que le sang va vider. Le sang n'a plus de valeur. Quand la personne meurt, ou bien dans les deux, l'âme charnelle, l'âme du sang et le corps vont aller à la poussière. Parce que le sang est lié au corps. Les deux iront à la poussière. Si tu ne vivras pas physiquement, tu ne vivras plus physiquement sur la terre. Mais la prière, si tu meurs en Christ, ton âme spirituelle ira dans le lieu de repos. Dans un univers, dans les réalités spirituelles, dans le ciel. Mais ce n'est pas le ciel. Troisième ciel où Jésus est. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui attend le comprendre? Maintenant. Si tu meurs sans Christ là. Si tu meurs sans Christ. Si tu meurs sans Christ, vois ce qui se passe. Si quelqu'un meurt sans Christ, je dis quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Qui a rejeté Jésus, qui a donné vie et a rejeté Christ à la fin. Ou bien il avait reçu Jésus. C'est détourné de Jésus. Lui qui ira à l'enfer. Je vais dire comment ça se passe. Lorsque la personne, le corps. La personne meurt, le corps va la poussière. Je vous ai dit que son âme qui est dans le sang aussi, qui est lié au corps, il va la poussière. Il va devenir souffle, esprit et âme spirituelle. Ou bien, l'esprit qui est le souffle. C'est Dieu, non, l'esprit, le souffle est Dieu. Dieu reçoit l'esprit. Maintenant, l'âme spirituelle de celui qui n'a pas Jésus. Qui a rejeté Jésus? Qui a abandonné Jésus avant sa mort? Son âme spirituelle ne va pas. C'est-à-dire, c'est pas maintenant que son âme spirituelle ira dans l'enfer. C'est pas maintenant qu'après sa mort, que son âme spirituelle ira dans l'enfer. Son âme spirituelle ira dans l'enfer depuis. Qui a compris ça? Hier, on va vous expliquer ça. Son âme, pendant qu'il est sous terre, son esprit est souillé. Son âme, du sang et dans le corps. Elle le maintient en vie physique. Mais son âme spirituelle est dans la prison. Elle est en enfer. Et je vous ai dit que l'enfer est composé de trois royaumes. Le prince de l'air. Le royaume de la terre, du monde souterrain, et le royaume satanique de la mer. Donc, comme il était sur terre, son âme était déjà en enfer. Son âme spirituelle est en enfer. Les deux, l'âme du sang, l'âme du corps, seront poussières. Le souffle sera reçu par Dieu. Son âme spirituelle est en enfer. Ira en enfer. Comme il ira, c'est pas maintenant ça irait. C'était déjà en enfer.
Acclame Jésus. Voici dans Jésus. C'est pour moi pour l'ancien homme. Qui est content ce soir? Qui est content? Quand l'ancien homme dit, il nous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sur la terre, nous sommes déjà au ciel. Avant d'aller. Eux, leur âme. C'est-à-dire, qu'elle dit notre esprit, c'est notre esprit pour en contact avec Dieu. Et l'âme il va au lieu de mon dos. Au-dessus de l'air. Mais en dessous du troisième ciel. Bon, et il y a gom, maintenant, tu peux t'en lire. Vous avez compris? Acclame Jésus. Donc, lorsque la trompette va sonner, l'âme spirituelle l'ouvre pour toi. De celui qui est mort en Christ va trouver le lieu de repos. Va quitter le lieu de repos et va être changé. Parce que l'âme a une nature, quoi qu'elle soit spirituelle, une nature terrestre. Donc cette âme, au son de la trompette, va être changée. Va être changée. Et devenir. Et ça dit, quand ça va être changé là, le souffle que tu avais reçu au ciel là, Dieu va ramener le souffle. Et maintenant va donner une autre emballage, ce ne sont plus l'âme, va donner une autre emballage, une couverture, une autre enveloppe céleste à l'esprit et dans l'âme. Parce que l'âme doit sortir du lieu de repos et elle va changer. Pendant que l'âme change, cet homme perd sa valeur. C'est ça, on dit que l'âme est détruite. Vous comprenez? Cette âme perd sa valeur. Parce que l'esprit, la Bible dit que ce que nous sommes n'est pas comme manifesté. Lorsque ce sera manifesté, nous verrons à dire. Alors, comme ce que nous sommes n'est pas comme manifesté, nous sommes esprit, âme et corps. Mais lorsque nous allons, notre âme va sortir du lieu des repos, nous allons, notre âme doit être changée en même temps et devenir esprit. Esprit, c'est ce que nous sommes. L'esprit régénéré, sauvé. Et cet esprit sauvé va être couvert d'une autre emballage qui vient du ciel. Parce que quand nous disons sur le Père, la terre, c'est la chair qui est notre emballage. C'est l'âme et le corps qui est notre emballage. Mais quand nous pouvons aller au ciel, lorsque la trompette va sonner, notre âme spirituelle va quitter le lieu de repos. En même temps, elle va changer. Le corps est déjà en poussière. Donc, notre âme se change, devient le souffle qui est avec Dieu, qui est l'esprit. En même temps, tout ça devient le souffle. En même temps, Dieu va donner à ce souffle l'esprit une autre emballage qui n'est pas terrestre comme l'âme et le corps, mais qui est céleste. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Et c'est cet esprit dans cet emballage céleste qui vivra pour l'éternité. Acclame Jésus. Parce que l'âme n'existait pas au ciel. C'est à la tête que l'âme existe. Donc l'âme doit être détruite. Pas à la mort. Ce n'est pas la mort. Si l'âme spirituelle est détruite à la mort, quelle partie de toi ira dans le lieu de repos? Ou bien, l'âme est gardée. Pourquoi? Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Pour que nous puissions aller au ciel, au troisième ciel. Donc l'âme est gardée dans la terre. C'est pour dire quelque part que personne n'est monté au ciel. Même pour les morts en Christ, ils n'iront pas directement au ciel. Où nous serons à l'enlèvement. Les morts en Christ iront dans un lieu de repos. Dans un ciel. Ici, il y a le bonheur, tout le repos, le bonheur. Les apprends.
le monde est là. Même si ce n'est pas, c'est dans la corruptibilité. C'est dans la terre. Non, on appelle la terre spirituelle ou bien. Ou bien, c'est dans la corruptibilité. Non, c'est pas le lieu qui est corruptible. C'est l'univers de la corruptibilité. C'est-à-dire, ce n'est pas semblable au ciel. Qui a compris? Je suis content, acclame Jésus, acclame Jésus. Maintenant, celui qui n'est pas mort en Christ, lors du jugement dernier, il y aura encore une résurrection. Parce que celui qui est mort en Christ, ce n'est pas la résurrection qui sera changée lors de la tempête. Ou bien, celui qui n'est pas mort en Christ, son esprit qui est le souffle, Dieu va te le mettre. Quand l'esprit n'est pas sauvé, Dieu va manifester ce que l'esprit est réellement. Et quand l'esprit est souillé, pour celui qui n'est pas mort en Christ, Dieu va prendre une autre emballage. Cet emballage n'est plus l'emballage céleste. Cet emballage va être un emballage de souillure. Une honte. Une abomination. Et on le jette dans l'esprit. Car cet emballage va chuter dans le lac du feu. Mais ceux qui meurent sans être vus vont dans les tourments, dans les prisons. C'est une prison qu'on appelle soit enfer, enfer. Sinon, l'enfer, sinon le feu éternel n'a pas encore été attiré. C'est la prison dans la spiritualité de la terre. Dans le monde satanique, tu commerce triangulaire que l'âme qui n'est pas en Jésus, l'âme spirituelle ira. C'est maintenant clair. L'esprit est éternel. L'esprit ira soit dans la vie éternelle ou dans la mort éternelle. L'âme ira. L'âme a un séjour après la mort. C'est ça le séjour des morts. Qu'est-ce que vous êtes en deux aujourd'hui? Le lieu de repos, le lieu de tourment, qui n'est pas forcément sous la terre. Le lieu de tourment qui est en toi, c'est pourquoi Apocalypse, on dit. On dit pas dans Apocalypse. Apocalypse dit, la mer rendit les âmes qui étaient en elle. La mer fournit les âmes. La mer fournit. Pourquoi dit la mer? Parce que je vous ai dit que dans la mer, Satan met beaucoup en prison. Ces âmes sont les âmes dont l'esprit n'était pas sauvé sur la terre. C'est comme ces âmes sont mis en prison. Donc, lors de la dernière résurrection, qui foncait la seconde mort, pour le feu de l'aile, ces âmes qui étaient dans la mer, un seul enfer subit dans la mer. Pour le comprendre, ces âmes vont être arrachées et changer, devenir esprit avec des corps non glorieux, des corps abominables pour le feu éternel. Pour ceux qui ne sont pas, ton esprit n'est pas soumis. Qui a compris ce mystère maintenant? Qui a compris? Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est maintenant clair. Qui se connaît cette question? Qui voulait savoir cela? Et aujourd'hui, a compris. Tu ne comprenais pas ça. Et aujourd'hui, tu as compris. Lève la main. Ah, donc, vous avez tous compris aujourd'hui. Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, ce n'est pas pour la vie éternelle que l'âme est délivrée. Que l'âme est sauvée. L'esprit est sauvé pour la vie éternelle. Mais l'âme est sauvée. Parce que comme l'âme est terrestre, l'âme est sauvée pour que l'âme est délivrée. Pour que la personne qui est sauvée là, la personne qui a la soin de son salut, ait la paix, le bonheur, sur la paix. L'esprit est sauvé pour qu'on aille dans la vie éternelle. L'âme est délivrée, rachetée. Pour que toi qui as le salut là, tu jouis du bonheur sur la paix. Tu sois heureux. Que ton âme prospère. Ton corps, tu jouis du salut de l'esprit.
C'est des réalités spirituelles. Ou bien, maintenant tu peux expliquer à tout le monde. Ou bien, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est bon maintenant. Maintenant, on commence. Psaume 86, verset 7. Psaume 86, verset 13. On va parler. Salut, ici, nous allons parler de la situation spirituelle des âmes qui sont maintenues dans les prisons. Ici, vous allez voir qu'on va parler plus du séjour des morts. Dans ce langage, par connaissance, le séjour des morts dont on parle ici. Le séjour des morts dont on parle ici. D'abord, n'est pas le lieu de repos et le lieu de tourment. Parce que le lieu de répondre aujourd'hui pour nous, c'est aussi dans le séjour des morts. C'est ça, c'est aussi le séjour des morts n'est pas pour le malheur. Le lieu de tourment, c'est aussi dans le séjour des morts. Vous me comprenez? Enfin, je vous ai dit, le lundi que dans l'Ancien Testament, le lieu où les gens qui n'étaient pas justifiés allaient étaient appelés. Le lieu de était appelé le séjour des morts. Il n'y avait pas de différence. Avant, si tu meurs dans la loi, sans être justifié, tu vas directement dans un lieu appelé séjour des morts qui est une prison. Depuis que Jésus a retiré les gens, ressuscité les gens de la prison. C'était joli, mais on l'a aussi que cette prison n'était pas l'enfer. Oui. Mais c'était le lieu de prison où on gardait les âmes. Jusqu'à ce que Jésus aille dans le ciel des morts et délivré par l'évangile. Aujourd'hui, si on dit séjour, avant qu'on dit séjour, là, c'était une destination. Avant de lancer des âmes, quand on dit séjour des morts, c'était le lieu où allaient les morts. À cause de l'incapacité de la loi. Et ce lieu était appelé prison. C'est clair? Aujourd'hui, le séjour des morts est plus d'abord vu par la doctrine. Je parle de la doctrine. Dans la doctrine, le séjour des morts est en deux volets. Aujourd'hui, le lieu de repos et le lieu de tourment. Le lieu de repos, quand on dit séjour, la nouvelle année s'est donnée la vraie prison du séjour des morts. Séjour, c'est un temps. Une période d'existence de l'âme. Qui comprend ça? Un séjour, c'est une période. Un moment de passage. Une garde à vue. Une prison de garde à vue. Tous les morts sans Christ. Mais ceux qui meurent en Christ, c'est un lieu de repos. Non, c'est-à-dire c'est un séjour, c'est une durée de vie de l'âme dans un lieu de repos. C'est bon. Maintenant, il y a un autre langage. Pas un autre langage de la parole. Ce même séjour qu'aujourd'hui nous voyons en deux. Qui est le lieu de repos? Qui est le lieu de repos? Ce séjour est mort. Est appelé beaucoup prison. De la même manière que c'était appelé dans l'Ancien Testament. Malgré que nous sommes dans la même alliance, dans la doctrine, c'est tout de mort. Et tiens, prends un peu. Lieu de repos. Ici, par connaissance, dans l'explication qu'on veut donner sur le site de mort, nous devons comprendre que le site de mort n'est pas lieu de repos, n'est pas lieu de tourment. Le site de mort, ici, dans ce langage, une prison. Qui a compris? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça que vous allez comprendre. Ces choses qui vont vous permettre d'avoir une vie de méditation. Quand vous lisez, vous ne globalisez plus partout. Vous faites de ça pour vous nous sauter. Ça, c'est pas le langage de la connaissance, pas le langage de la révélation, pas le langage de la poésie. C'est ça, pas la doctrine. Vous voyez la
même chose est autre chose dans un autre langage. Dans la doctrine, c'est deux choses. Lieu de repos, lieu de repos. Dans la connaissance, le signe, selon notre explication, dans notre contexte, c'est d'abord, c'est prison. C'est compris? Acclame Jésus. Voici les cas spirituels des saints, spirituels, qui n'ont pas encore reçu la rédemption. Psaume 86, verset 13. Je vais au nom de Jésus. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délues mon âme du séjour profond de mort. Amen. C'est où des morts dont on parle ici? Je vous explique que c'est des prisons, non? Dans ce langage de connaissance. Ou bien? Et ce séjour des morts dont on parle est dans l'un des trois niveaux dans le commerce triangulaire. C'est clair? Le séjour profond des morts dont on parle ici là. C'est soit l'air, le royaume satanique de l'air, soit le royaume de la terre et de la mer. Vous avez compris maintenant? Dans ce langage de connaissance. Réalisez encore, lisez maintenant. Psaume 6, verset 4 à 7. Salomon est à d'un beaucoup et amené. Psaume 6, verset 4 à 5, je le nom de Jésus. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Amen. Jusqu'à quand? Il va nous y aller. Vous lisez. Ok. Verset 4 à 5. Mon âme est toute troublée et est tout troublé. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Voilà l'état spirituel des âmes qui n'ont pas encore reçu la rédemption. Mon âme est tout troublé. Son esprit a l'assurance qu'il avait tué. Son esprit a commis avec le Saint-Esprit. Mais l'âme est troublée. Parce que l'âme est différente de l'esprit. C'est compris? Continue. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Ça, on parle de l'emprisonnement de l'âme. Qui te louera dans les cieux? Le jugement de l'âme. Dans les prisons. C'est ces prisons qui sont le séjour des morts pour nous, dans le langage de la connaissance. C'est compris? Oui. Qui te louera dans les yeux des morts? La volonté de Dieu est que notre âme loue Dieu. Pendant que notre esprit adore Dieu, notre âme doit louer. Parce que l'âme doit exprimer. En réalité, la conséquence de l'intimité de l'esprit avec Dieu dans l'adoration et la louange de l'âme dans le corps. Vous ne comprenez pas? En réalité, l'esprit qui adore Dieu est à l'intimité avec Dieu. Lorsque l'esprit est à l'intimité avec Dieu dans l'adoration, la conséquence doit être sur l'argent et que quand l'esprit est avec Dieu, nous doit subir ce que l'esprit subit avec Dieu ou bien. Si ton esprit est en bonne communion avec Dieu et que tu es racheté du séjour des morts, vous me comprenez? Ton âme loue Dieu. C'est ça la conséquence. C'est compris? Lorsque mon esprit est avec Dieu, lorsque mon esprit est engendré de Dieu et que mon âme est délivrée de ses prisons, la conséquence de mon intimité avec Dieu dans mon esprit, la conséquence de mon adoration spirituelle
avec Dieu dans mon esprit. Lorsqu'elle jaillit sur l'âme, l'expression de la joie de l'âme est influencée par l'esprit. Et la manifestation de la loue. Wow. C'est bon. Je vous explique une réalité encore. Ça ne fait pas des réalités. Vous l'avez noté? C'est noté? L'esprit est ici en paix. Cette âme délivre, lorsque l'âme est délivrée, l'esprit est en paix et cette âme nous tue. Pendant que cette âme, si cette âme est délivrée, l'esprit adore Dieu en paix pendant que l'âme est délivrée. Et si l'âme est délivrée, l'âme loue Dieu. Donc écrivez dès seulement ce que je dis. Dès seulement ce que je dis dans l'enseignement doctrinal, ça doit être concordant. Vous aussi notez tout ce qu'on dit. Ne notez pas autre chose. Notez tout ce qu'on dit. Sinon, tout vous mélangez tout. C'est compris? Gloire à Jésus. Je vous explique cette réalité. Hier, je vous ai dit que la volonté de même la volonté de Dieu est que notre âme soit notre corps pour adorer Dieu. Pour louer Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, le monde spirituel de Satan. Quand il était dans le monde là, c'est pas le monde naturel, hein. Oh, plus qu'on s'envoie les choses. Quand on dit j'étais dans le monde avant, derrière Jésus, c'est le monde spirituel ouvert par Satan. Pour un triangle. Donc quand moi j'étais dans le monde là. C'est ce monde. Donc, lorsque l'homme était dans, pendant que l'homme était dans le monde, il y a un mystère. Notez tout et suivez-moi de près. Pendant que l'homme est dans le monde spirituel, ne venez pas Satan. Sans avoir recevoir Jésus. Pendant qu'il n'est pas en Jésus, mais dans le monde spirituel, son âme n'est pas dans son corps. L'homme gouverné par le monde spirituel de Satan, ça a le commerce triangulaire. La volonté de la volonté de Dieu est que notre âme soit dans notre corps. Son âme n'est pas dans son corps. Son âme est dans les royaumes. L'un des trois royaumes de la spiritualité terrestre dirigé par Satan. C'est clair? Maintenant, pendant que son âme est dans le royaume des ténèbres, son esprit est dans son corps. Vous n'avez pas compris. Ils sont dans son corps. Je vous explique. On va faire une démonstration. Démonstration. Comme il est. Là, on va faire comme il est. Là, vous allez mieux comprendre. Je veux. Voilà. Disons que, suivez-moi très bien. Disons que ici, c'est le royaume spirituel de Satan. Ici, c'est le royaume spirituel de Satan. C'est compris? Là-bas, c'est le royaume spirituel de Jésus. Ici, à gauche là, c'est le royaume spirituel de Satan. Vous avez compris? J'aime quoi? Venez ici. Faites comme ça. Regardez une épée, voilà. Torturez l'univers, le monde. Vous voyez? Ça, c'est le royaume spirituel de Satan. Donc, il représente les toiles. Il représente. C'est pas comme ça, il n'est pas ça. Il est son âme dans le sang.
Jésus. Mais c'est des démonstrations pour vous aider à comprendre. Maintenant, ici, lui, il est Jésus à la droite de Dieu au troisième ciel. Vous voyez? Maintenant, voilà, il est l'homme. Il y a l'homme. L'esprit. Bon, bon. L'esprit, l'âme. Bon, bon, le bon. L'esprit. Bon, bon. L'esprit. Bon, bon. L'âme. Le bon. Le corps. C'est donc dont vient de parler là. C'est pas l'homme en Jésus. L'homme qui n'a pas encore reçu Jésus. Donc, l'âme n'est pas dans son corps. Ou bien, je vous explique. Cet homme-là, il n'a pas encore cru en Jésus. Il n'a pas encore reçu Jésus. Vous comprenez? Donc, il est esprit, âme et corps normalement. Tout le monde est esprit, âme et corps. Ou bien, alors, l'âme est dans les pouvoirs, l'âme spirituelle est dans les prisons, dans le monde. Donc, il y a un fils dans le corps. Est-ce qu'il peut adorer Dieu? Est-ce qu'il peut louer Dieu réellement? Est-ce qu'il jouit du bonheur? Donc, c'est son âme spirituelle qui doit jouir de ce que l'esprit dégage. Pourquoi l'esprit est souillé? L'esprit est souillé. Son esprit est souillé. Donc, son esprit qui est souillé là est dans le corps. Et l'esprit le gouverne dans le monde terrestre. L'âme, l'âme de celui qui n'est pas encore Jésus, qui est emprisonné, obéit à la volonté du roi des ténèbres. Et la volonté du roi des ténèbres ne va même pas gouverner l'âme d'ici. Spirituellement, l'esprit est souillé, se soumettra à la volonté de l'âme corrompue, dominée par le roi des ténèbres. Et l'esprit est soumis dans le corps. L'esprit est toujours dans le corps. Et il fait tout. Sa vie est désordonnée. Et il est dans le royaume des ténèbres. Son corps est là. Donc, celui qui veut aussi suivre. Par Jésus. Celui dont, comme tout ce que je dis là, c'est des choses, c'est des notions importantes qu'on doit noter. Mais chacun de vous a son cahier. Ou bien après on va vous faire le résumé. Il va faire le résumé. Par Jésus. Ça, c'est l'homme qui n'a pas encore reçu Jésus. Son esprit est souillé. Son âme est dans les prisons. Du commerce est appelé. Eux dorment sur lui. Et lui dit, Satan là, c'est l'âme qui peut dominer. Donc, quand on l'artiste l'âme est dans la terre, lui aussi est descendu dans la terre. Vous comprenez? Donc, il dit, fais tout ça. Dis-lui, fais pas pécher là. Tu lui contrôle. Tu fais les choses. Lui aussi, il peut faire. Il commence à faire, il fait les choses. Et quand on lui fait ça, son esprit ici agit, fait les mêmes choses. Comment pas? Tu fais les mêmes mouvements. Les mouvements que l'esprit. C'est pour ça que ça se passe. Mais là, le corps, il est soumis comme ça. Il est à terre. Lui, il fait les mêmes choses. Il fait les mêmes mouvements. Ici, c'est son âme, gouvernée par Satan, qui contrôle l'esprit. Et lorsque l'esprit est contrôlé, le corps aussi est contrôlé. Ça, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus.
ou celui qui a rejeté Jésus, par l'iniquité. Acclame Jésus. Donc, celui qui n'a pas encore reçu Jésus, son âme n'est pas dans son corps. Son âme est dans son royaume de Satan. Mais son esprit est dans son corps. Mais souillé, vaincu par l'autorité du roi des ténèbres qui agit sur l'âme. Mais c'est l'âme qui est gouvernée par Satan, son royaume, qui contrôle l'esprit avec la volonté du péché. C'est pourquoi Ephésiens 6 nous dit, lorsque nous étions dans le monde, mais lorsque nous étions dans le péché, nous marchons selon le bien de ce monde, selon les munitions fils de colère, marchons selon le bien de ce monde. Voilà le bien du monde. Et c'est l'âme qui obéit au bien de ce monde. Et l'âme agit, gouverne par le prince de l'air, ou de la mer, ou de la terre. Donc l'esprit est dans le corps, mais souillé. L'âme n'est pas dans le corps, mais dans le royaume terrestre. C'est clair? C'est clair? Maintenant, je vous montre maintenant pour celui qui a Jésus. Revenez. Vous restez là. C'est bon. Celui qui a Jésus, voilà, le voilà. Esprit, âme et corps. Celui qui a Jésus, je vous ai dit que la volonté de Dieu est que notre âme soit dans notre corps. C'est ce que Dieu lui fait. Et là, notre esprit sera soumis à Dieu. Notre âme obéira et louera Dieu. Et notre âme dominera sur le corps. Le corps fera la volonté de l'âme. L'âme fera la volonté de l'esprit. L'esprit gouvernera l'âme et gouvernera le corps. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, voici ce qui se passe. Lorsque l'on annonce l'évangile, je suis en train de te prêcher. Jésus t'aime. Défends-toi de tes péchés. Les temps sont finis. Jésus revient. Quand tu as Jésus, abandonne ce monde. Mais dans le monde spirituel, vous ne verrez pas Satan. Ne venez pas votre âme au diable. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. L'esprit reçoit la parole. L'esprit reçoit quoi? L'âme était dans les prisons. Avant, pendant que je l'évangélisais. Où bien? L'âme était dans la prison. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Pendant ce temps, pendant que il y a de reçoit, la main droite sur ton cœur, la main gauche sur la tête. Pendant qu'il y a de reçoit la parole là-bas. Les hommes de Dieu continuent. Les hommes de Dieu vont aller prendre son âme. Parce que maintenant qu'il a reçu Jésus, les enseignants de la parole, bien les pasteurs, les hommes de Dieu vont dire, il restera encore qui doit être délivré. Il restera encore qui doit être délivré. Ou bien, parce que j'en ai mené la vie d'identité, je suis sûr que la prison à laquelle tu étais, c'est l'air ou la mer. Alors, tu adores Jésus. Mais fais... Et pratique la repentance, tout ça. Non, Dieu, pour que tu sois délivré. Prie et demande à Dieu de libérer toi. En même temps, l'âme de Dieu va dans la prison. L'âme aussi commence à prier. Et le corps aussi prie. Maintenant, avant que l'âme vienne, je vous remonte quelque chose. Reçois Jésus. Pendant, avant que l'âme vienne, l'âme de Dieu aussi prend l'esprit. Vous me suivez? Viens, toi viens. Il y a un change. Va au roi des cieux. Ton âme vient dans son corps. Et commence-toi. Reçois le Saint-Esprit là-bas. Reçois l'Esprit. Commence-toi à recevoir la grâce de Dieu. Pendant qu'il reçoit au ciel, c'est le sang de Dieu. Jésus est là. Il reçoit, l'âme commence à louer Dieu sur sa terre. L'âme commence à louer de Dieu dans son corps. Et son esprit est transféré du royaume. Ça dit, son esprit est transféré dans le royaume des cieux.
comprenez? Pendant que l'âme quitte le roi des ténèbres, l'âme elle quitte le roi des ténèbres, quand la personne reçoit Jésus, elle reçoit la délivrance. Elle reçoit Jésus, elle commence à prier pour sa délivrance. L'âme quitte automatiquement le roi des ténèbres, mais ne va pas directement dans le roi des cieux. Non! L'âme quitte en même temps le roi des ténèbres, elle va dans le corps. En même temps que l'âme tient le corps, les âmes, je le sais, qu'elles sont pas l'esprit. Le souffle est toujours là pour qu'il soit au moins quand l'esprit est au ciel là. Pendant qu'il est au terre, pour que le souffle vive, s'inspire au moins. Pour qu'il ne meure pas. Et pendant le temps, tu reçois le souffle. L'esprit qui est l'image de Dieu, qui est né de Dieu, reçoit l'onction du Saint-Esprit. Les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La même chose qu'il reçoit, c'est un transfert quand tu le fais. Un transfert, les enfants comme ça. Et toi tu le dois faire comme ça. Donc celui qui est en Christ, lui son esprit qui a l'image de Dieu est dans le royaume des cieux. Son âme n'est pas en prison. Son âme est dans son corps. Et il adore Dieu. Or, celui qui n'est pas en Christ, son esprit est dans son corps. Souviens. Mais son corps n'a pas dans le royaume des ténèbres. Colossiens 1. Colossiens 1, je prends, mais je vais le dire. Acclame Jésus. Colossiens 1. 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir héritage des saints dans la lumière. Je fais la promesse parce qu'on continue. Non, viens. Voilà. Il est dans le monde. Et le corps est là. Et il a fait le mouvement. L'âme est en prison. L'esprit est dans le corps. Ou bien? Et l'esprit est souillé par le péché. L'âme couvert maintenant. Non, fais les mêmes choses à terre. Regarde ce qu'il fait. Faites les mêmes choses. Yeah. Vous voyez? Il est perdu comme ça. Il est voué à l'enfer. L'esprit est dans le corps. Mais l'âme spirituelle n'est pas dans le corps. L'âme spirituelle est dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Et le verset dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints, c'est la parole vivante de Dieu. Tu connais Jésus? Jésus est Seigneur. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui la parole. Tu es esprit. Mais tu es ton esprit qui est souillé. Et maintenant, quand ton esprit est souillé, vous voyez, c'est comme ça qu'on évangélise. Ton âme a été pris en prison. Tu vois, c'est ça.
C'est Dieu dans la prison de la mer. Ton ami là-bas. Reçois Jésus maintenant, reçois la parole. Reçois la parole, reçois. Lève-toi maintenant, tu as reçu. Maintenant, prie pour ta délivrance. Jésus, ce n'est pas le sang de Jésus que tu as racheté. Ce n'est pas le sang de Jésus même. Tu as racheté. En même temps, l'ange se prend maintenant. Et on dit, il va transformer le verset. Toi, on continue là-bas. Montre-le, montre-le. Le verset dit ainsi. Vous connaissez ton nom. Rendez pas qui vous a donné pas d'avoir qui vous a rendu qui vous a rendu capable d'avoir pas l'état de cette dans la lumière qui nous a délivré de la puissance avec quel homme la main de Dieu parce qu'il a de prix pour sa délivrance. Il croit que c'est le sang Jésus qui le rachète. Je ne veux pas le sang des animaux ni des idoles. Je n'ai pas l'argent ni l'or. Il dit ça, je suis délivré. En même temps, l'âme de Dieu va. Qui nous a? Donc il a maintenant la révélation. Combien? Il a pris. Si tu es sans Jésus, délivre-moi. Sans Jésus, délivre-moi. Sans Jésus, délivre-moi. Quand son âme n'est pas encore délivré là, son âme continue de faire les choses. Mais il continue de prier. Maintenant, fais comme ça. Fais comme ça. Non, laisse-toi, fais comme moi comme ça. La délivrance a commencé un peu plus. Mais le corps est encore un peu au milieu. Sans Jésus, délivre-moi. Qui nous a? Le Père qui nous a fait quoi? Qui nous a délivré de la puissance. En même temps, il prie le Saint-Esprit, le Seigneur, envoie ses anges pour le délivrer de la puissance de Dieu. Hein? 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 Et nous a transporté. Il nous a transporté. L'âme est transportée. L'âme est transportée au ciel. Non, l'âme est transportée dans le corps. En même temps, il est dans le royaume du Fils. Toi, l'esprit va dans le royaume des cieux. Alléluia. Il a transporté l'esprit dans le royaume des cieux. En même temps, l'ange reçoit le Saint-Esprit reçoit. Le paquet du Saint-Esprit, le feu. La sanctification. Et on peut quoi? Qu'on vient de vous révéler. Avec un Colossiens 1, le verset 15. Acclame Jésus. Maintenant, Psaume 57, verset 2. Là, qui n'est pas connaissance dans ce contexte, dans le royaume spirituel des ténèbres. Là, on parle encore. Ou bien le salmiste part encore ici. Somme 57 verset de l'Union de Jésus. Aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, c'est comme ça que l'âme dit. Si l'âme est dans la prison, l'âme crie et dit oh. C'est comme ça, si ton âme n'est pas délivrée, tu peux être dans Jésus. Tu peux être né de Dieu dans l'église. Toujours ton âme sera dans Dieu. Aie pitié de moi. Sors-moi de la prison. Aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. En toi mon âme cherche un refuge. Quel est le refuge de l'âme? Quel est le refuge de l'âme? Quand il dit en toi, mon âme cherche un refuge là. Non, vous ne m'avez pas fait la démonstration. En quoi, quel est le toi? En toi mon âme cherche un refuge. En toi mon âme cherche un refuge. Où est ce refuge? C'est le corps. C'est ce qu'on a montré maintenant. Et le refuge de l'âme, c'est dans le corps. Ou bien c'est ça qu'on a montré maintenant. On tire l'âme, mais dans le corps. Oui, c'est l'église. Pourquoi? C'est notre corps qui est le temple de Dieu. Donc notre corps est l'église. Papa n'a pas aussi menti. Papa ne parlait pas révélation. Moi, on ne parle pas connaissance. Acclame Jésus pour papa. Parce que le corps là, c'est aussi l'église. Donc corps, c'est le temple de Dieu, non? Quand il tape, c'est pas église. Donc, papa parlait pas un autre langage. Mais ici, le refuge par connaissance, c'est notre corps.
Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Vous voyez? Où c'est là-bas, non? Voilà, le royaume des ténèbres. Non, non. Là, je ne vois pas au royaume de Dieu. L'âme spirituelle vient dans le corps. Et l'esprit qui est à l'image de Dieu, l'esprit va dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas ceux qui notent. Aidez-le, soyez ensemble. Gloire à Jésus. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Les lions ne comprennent pas des géants, des ennemis. Voilà. Je suis couché au milieu des gens qui promissent la flamme. Vous voyez là, ça c'est le feu là. Au milieu d'hommes qui ont pour la dent, la lance et la flèche. Voilà, ceux qui ont la flèche et la lance. Et le tortue. Et dont la langue est un grève tranchant. C'est pour que parfois tu sens la maladie. Tu sens une maladie qui. Tu vas chez les médecins disent non. Là, ça, c'est spirituel. C'est l'âme spirituelle qui est malade. Bah, et quand l'âme spirituelle est malade, le corps aussi. Lève-toi sur les cieux, oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ok, oui? Maintenant, psaume 57, est-ce qu'on a lu 57? Oui, on a lu le 5. Maintenant, psaume le 7 et le 7, vous avez lu le 7? Non. Le 7 et 9. Le 7 à 8 et 9. Ils avaient tendu un filet sur mes pas, sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Oh Dieu. Je chanterai. Je ferai retentir les instruments. Je vous explique ce mystère un peu. Reprends la dernière phrase. Le verset. Mon cœur est affermi. Non, non, le verset qui vient avant. Mon âme se courbait. Mon âme se courbait. Vous voyez, il y a un loupon. L'âme est abattue. Il y a un loupon. On dit l'épée, non? Le javelot. On le tient. En même temps, ils avaient creusé une fosse devant moi. C'est la vie. Ils y sont tombés. Parce que lorsque l'ange est venu, lorsqu'il a reçu la parole, lorsqu'il a pris sa délivrance, l'ange est venu, non? A créé une fosse. Et les a fait tomber. Ou bien la fosse même. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Pendant que l'ange vient, selon le verset, l'ange vient le précipiter dans l'abîme. En même temps, l'âme est libérée. Ou bien, parce qu'on met le démon, le précipiteur dans l'abîme, dans le trou. Ou bien. En même temps, l'âme est affermie. Quand le cœur ici, on parle de l'âme spirituelle. Qu'on appelle encore le cœur qui est dans la chair, le cœur qui est dans le sang. Vous me comprenez? En même temps, cette âme spirituelle est affermie. Le cœur est affermi. Quand il est affermi, je chanterai. Il a commencé à chanter dans le corps. Ou bien? Il a commencé à chanter dans le corps. Il a commencé à chanter la gloire. Quand il a commencé à chanter là, il a touché le corps. Il a pris les instruments de musique. Comment tu n'as pas d'instrument, tu as la main. C'est la même chose. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Réveille-vous, mon lutte et ma âme. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore. L'âme ne commence pas à prier maintenant.
Quand l'âme est délivrée, l'âme dans le corps et l'esprit commencent à prier ensemble. Commencent à mener une vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière pendant que ton âme est dans les prisons. Il faut que ton âme soit libérée. Pour que tu mènes une vie de prière avec l'esprit dans le corps. Je te louerai parmi les peuples. Je te louerai parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Oui, comme l'âme est délivrée, il va louer le Seigneur. Si l'âme n'est pas délivrée, comment elle peut louer le Seigneur dans les nations? Alléluia. Psaume 13, verset 3. Psaume 13, verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Vous voyez? Donc c'est réel. Donc les gens ont des soucis dans leur âme. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Où est les chagrins dans son âme? Hein? Toujours des soucis, des chagrins, des malheurs, des difficultés. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand l'ennemi qu'on a montré s'élèvera-t-il contre lui? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Hein? Donne à mes yeux la clarté. C'est cette prière qu'on va faire aujourd'hui. Jusqu'à quand mon âme sera dans la main de mes ennemis? Non. Mon âme n'est pas dans la main de mes ennemis. Tu déclares, tu vas déclarer des paroles puissantes. Afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Ah, vous voyez? Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Psaume 35, verset 3. Psaume 35, verset 3, j'ai dit au nom de Jésus. Brandis la lance et les javelots contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 35, verset 3. Brandis la lance et les javelots contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus. Donc tu vas dire à Dieu. Dis à ton âme, Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme que tu es son salut. Tu es sa rédemption. C'est compris? Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse, ceux qui méditent ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Où est l'ange, non? J'ai montré que c'est l'ange qui le chasse. Donc les anges opèrent dans le spirituel. Vous devez savoir que les dieux opèrent avec les anges. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en éternel. Alléluia. Il doit périr d'abord. Pour ton âme et la joie. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Oui, on a parlé de ça. C'est bon, c'est bon. Maintenant, psaume 42. Salut, mon tas. Lève-toi, nous allons proclamer ensemble. Psaume 42, verset
Psaume 42. On va commencer par le premier. Psaume 41, pas de verset premier. Tu pour moi, mais je le fais. Levons, nous prenons nos billets. Vite, mais ça, mon frère. Gloire à Jésus. 1, 2, 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Mon âme soif de Dieu. Est-ce que ton âme a soif de Dieu? À partir d'aujourd'hui, ton âme doit avoir toujours soif de Dieu. Toujours l'homme a besoin de Dieu. Il n'y a pas cet homme qui n'a pas besoin. Ton âme spirituelle a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme spirituelle a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je? Et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La face de Dieu, c'est où? L'âme n'ira pas dans la face de Dieu au ciel. La face de Dieu, quand on parle ici. Montez, les trois, venez encore. Venez. Les trois, venez. Esprit, âme et corps. Esprit, papa. Voilà la face de Dieu. C'est un exemple. Pardonne-nous. Le Saint-Esprit est dans son esprit. Et les deux sont un. L'âme, voilà l'esprit. Non, c'est pas lui, c'est pas toi qui fais pour ça. Oui, toi tu t'attaches à lui, lui s'attache à toi. Pourquoi? Parce que tu veux, je suis le seul qui est le savant. Lui demeure en lui. C'est pas lui là, il demeure au Saint-Esprit. C'est pas lui le ciel. Maintenant le Saint-Esprit demeure aussi en lui. Le Saint-Esprit habite dans son esprit. Quand on dit que notre corps est un Saint-Esprit là, d'abord c'est pas ce qu'on fait. C'est d'abord l'esprit avant d'être dans ce corps. C'est compris? Donc le Saint-Esprit habite dans son esprit. Parce qu'on dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans son esprit. Lui aussi demeure en Dieu. Les deux sont un. Alors, l'âme est ici. Alors, reprenez la lecture. Nous, je vais la partie là. Donc, on dit que quand je paraîtrai devant la face, tu es là. Toi, laisse-le. Je tombe dans ce trou, tombe dans ton propre trou. Toi, laisse-toi. Je suis l'ange. Lève-toi. Viens devant la foi de Dieu. Viens dans la foi de Dieu. Où est la foi de Dieu? Il est, c'est voici la foi de Dieu. Maintenant, la foi de Dieu, ça veut dire qu'il paraît maintenant devant Dieu. Il paraît maintenant à la face de Dieu. Et c'est maintenant l'esprit maintenant, Dieu le gouverne. Maintenant, fais attention. Tu vois, il est maintenant où? Devant Dieu, le voilà Dieu, non? Le voilà devant la face de Dieu. Et l'esprit est là. Toi, donne-lui le Saint-Esprit. Il est devant la face de Dieu. Là, on soupire à Dieu. L'esprit soupire à Dieu. Et le corps aussi prie Dieu. Et c'est ça la face de Dieu. Il y a le corps. Donc, on ne voit que le corps. Dans le monde physique là, on ne voit que le corps. Oh, regardez spirituellement. Le Saint-Esprit est là, en train de mettre le sol, la présence du Saint-Esprit dans son esprit. Et l'âme paraît à la fin de Dieu. L'âme est là. Et elle va recevoir ce que l'esprit transmet. Donc c'est la petite démonstration de ce verset. C'est bon. Acclame Jésus. C'est compris. Voilà, relisez maintenant. Non. Là, moi, je veux plus. Mon âme a soif de Dieu. Soif du Dieu vivant.
Quand irai-je? Et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est bien maintenant, c'est, vous avez vu la face de Dieu dont on parle. Mais l'âme sont ma nourriture et jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur. Quand je marchais entouré de la foule. Et que je m'avançais à sa tête. Vers la maison de Dieu. Et des au milieu des cris de joie. Et des actions de grâce. D'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu? Mon âme. Au dedans de moi, espère en Dieu, espère en Dieu, mon âme, espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithé. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de terre ondée, toutes les vagues et tous les flots passent moi. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chante ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, les os se brisent. Car mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse: où est ton Dieu? Pourquoi abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère Dieu! Espère Dieu, mon âme, espère Dieu, prie maintenant, prie, mon âme espère Dieu, prie, mon âme espère Dieu, mon âme espère Dieu, mon âme espère Dieu, espère Dieu, prie. Mon âme
Dieu. Acclame Jésus. Espère Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Acclame Jésus, on continue. Maintenant, tu as appelé maintenant Dieu. Ton âme a espéré en Dieu. Tu as demandé à ton âme d'espérer en Dieu maintenant. Il t'a répondu. Il t'a exaucé. Il a vu que vraiment tu as soif. Et il te donne une promesse. Esaïe 62 premier. C'est bon, on peut faire. On veut changer de. On veut aborder la dernière partie de l'enseignement. C'est bon? Esaïe tabla de Bob, Esaïe 62, verset 1. Voilà pourquoi Dieu dit, en qui l'esprit habite, habitera, que non l'esprit qui habite l'esprit. Ah ok, c'est bon. Qui habite, vous faites bien, c'est bon. Qui habite l'esprit pour être jeté. Non, le feu éternel, dans le feu éternel. C'est pas faux, c'est des mots. Il faut bien mentionner pour que. L'âme spirituelle, si tu es dans le centre d'esprit, quand on va là, si l'esprit, tu es le souverain Dieu. L'âme spirituelle, ton âme spirituelle, comme on a dit, si tu meurs, tu respectes la logique. L'âme, ton, tu iras en prison, dans une prison de l'enfer. Dans une des prisons de l'enfer. Voilà. C'est bon, acclame Jésus. Il va prolonger et nous allons commencer la dernière partie. Voilà, le photo est là et le problème. Non, dans l'enfer, dans une prison, dans une prison, dans l'enfer. L'esprit de l'homme doit mettre le diable, doit se mettre en son esprit sur la violence. C'est parce que la fin de l'esprit, l'âme vient de nouveau contre le Dieu sur la terre. C'est pourquoi la vie tenait que l'esprit est né. C'est pourquoi la vie tenait que l'esprit est né de Dieu. L'esprit sauvé devient corps spirituel de l'âme. L'esprit sauvé qui est dans le feu n'aura pas besoin du corps. De l'âme charnelle. De l'âme charnelle pour le corps. Parce que l'esprit sauvé qui est dans le feu n'aura pas besoin de l'âme charnelle, du corps naturel. L'esprit sauvé, celui qui est glorifié. Voilà. N'ira pas. Mettez la chaise ici. N'ira pas au ciel avec l'esprit sauvé, sauvé qui est glorifié. N'ira pas au ciel dans la chair. Et dans le corps naturel. Et le corps naturel. Car l'âme et le corps seront détruits, désintégrés, désintégrés sur la terre. L'âme, esprit, l'âme dans le même monde, dans le sang. Pour celui qui meurt en Christ. L'esprit sauvé qui est glorifié n'ira pas au ciel avec la chair. Et le corps naturel. Voilà, c'est bon. L'esprit, lorsque l'esprit en père de Dieu, l'âme est délivré. L'esprit adore Dieu et l'âme de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus, est en prison, dominé par le royaume de Satan. Les hommes qui ont reçu dans les demandes, tout ça en esprit. Celui qui a Jésus, son âme sanctuaire est délivré des prisons. Son esprit est saint. Son âme est fini à votre Dieu et l'esprit qui est en Jésus. Et son corps sur la tête, oublié, oublié. Son corps sur la tête, oublié. À l'esprit, à la volonté de Dieu. Gérez à vous, gérez sans vous. Acclame Jésus. Esaïe 62 premier. Hier, nous avons compris la loi du commerce triangulaire. Ou bien, est-ce que cette loi, nous vous avions enseigné que dans le commerce triangulaire, les âmes sont en prison, achetées. Satan est un grand commerçant qui achète beaucoup et donne les miettes aux gens
vers qui se rend pour acheter. Et il travaille avec beaucoup de commerçants. Il y a des vendeurs en gros, des acheteurs en détail. Ça, dans le spirituel. Et Satan gouverne ce royaume triangulaire. Photographie. Satan gouverne cet univers triangulaire. Dans les trois grands royaumes, prince de l'air, de la terre, de la mer. Alléluia. Parce que maintenant, quand tu as prié, tu as dit, mon âme espère en Dieu. Mon âme espère en Dieu. Tu te loues, tu le sais pas de la prise. Ce n'est pas dans le Seigneur des morts que tu loueras pour Dieu. Mon âme écoute la voix de Dieu. Espère ton créateur. Maintenant, quand tu viens de faire cette prière, ton âme, Dieu a exaucé ta prière. Et a donné le salut à ton âme. Ou bien, maintenant, il reprend avec une nouvelle prophétie. Esaïe, oui, vous pouvez passer. Esaïe. Déjà, je monte d'abord les cas pour ceux qui me suivent en direct. Voici la loi du commerce triangulaire. C'est une loi. Ça, c'est la loi du commerce triangulaire. Qui connaît le commerce triangulaire? Vous tous vous connaissez. À l'école, vous avez appris que c'est le commerce triangulaire, c'est la loi qui régissait la quête des prières. Afrique, Europe, Amérique. Et on faisait des échanges. Les achats et ventes. On achetait les hommes africains. Et on faisait quoi? On leur donnait des miettes, on donnait des miettes au roi. On les chargeait leur vie. Et on les traîne au bord de la mer. On les envoie dans les prisons, en esclavage, dans les prisons. Et on a pris hier Ézéchiel 27, 28, pour vous montrer comment la tête des prières a son origine biblique. Ou bien, on va aussi montrer que c'est du spirituel qui vient le physique. Car en réalité, ça existait dans la Bible. Et ça se passe spirituellement. Et les hommes ont une relation spirituelle satanique pour le faire physiquement. On vous a montré que les choses se font en trois niveaux. Le prince de l'air, voilà, donne au roi et au monstre de la mer. Le monstre de la mer. Va livrer ça au dragon de la terre. Et il y a échange entre les trois niveaux. Et c'est l'âme dans le monde spirituel devient comme une marchandise. Devient comme une marchandise. Comme on achète. Enfin, c'est dans le monde spirituel de ceux qui ne sont pas délivrés en Jésus-Christ. Ça, c'est le commerce triangulaire. La loi du commerce triangulaire de Satan. Un triangle équilatéral. Avec les mêmes dimensions, les mêmes longueurs. Et vous voyez ici, ce triangle ressemble comment, aux pyramides de Satan. Où est ça, c'est le royaume spirituel de Satan. Mais Jésus l'a vécu. Maintenant, il y a une autre loi qui est plus grande que la loi du commerce triangulaire. Acclame Jésus. Il y a une loi qui a du pouvoir sur la loi du commerce triangulaire. Et nous avons vu que hier, selon Galates 3:13, cette loi annule la malédiction de la loi du commerce triangulaire. C'est Christ qui détient cette nouvelle loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi devenue pour nous, malédiction pour nous, pour que nous parvenions à la bénédiction. Si une loi spirituelle a gardé les hommes en prison par le commerce de Satan, il y a une autre loi qui a le pouvoir de libérer les hommes en prison, qui est une loi de commerce, mais qui n'est pas le commerce de Satan, qui n'est pas le commerce triangulaire. Une autre loi, qui est notre commerce qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Acclame Jésus. Esaïe 61:1. Maintenant, comme étant donné que
l'âme a espéré en Dieu. L'âme a espéré en Dieu. Dieu a exaucé sa prière. Elle lui donne une prophétie. Esaïe son temple. Esaïe est à blanc. Esaïe son temple a dit merci premier Dieu au nom de Jésus. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Non, Esaïe son temple premier. C'est ça. Vous lisez quoi? Non. Esaïe son temple premier. Esaïe 61, premier, j'ai lu le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Qui parle ici? Mais quel est pour la pire? Qui parle ici? Par connaissance, c'est une prophétie d'Esaïe. C'est de Dieu. Mais dans l'accomplissement de la révélation, de la prophétie, c'est qui? Qui est qui? Qui est le Christ? Ou bien, donc c'est le Christ qui parle ici. C'est l'Esprit du Christ qui parle par révélation. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Voici le corps de Jésus. Donc l'onction de Christ va pénétrer le corps de Jésus. C'est ça le Christ qui pénètre dans le corps. Hein? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour. Qui sont les malheureux? Selon l'enseignement. Les hommes l'ont racheté. C'est eux les malheureux. Donc remplace qui même âme l'ont racheté. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles aux âmes non rachetées. Aux âmes non rachetées. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, ça c'est le cœur, l'âme abattue. L'âme gémissant au-dedans de telle. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs. Qui sont les captifs? Les âmes non encore rachetées. Qui sont dans les prix? Donc ils sont dans l'esclavage. Ces âmes sont vécues par la loi de l'esclavage. Par la loi qui commence à triambuler. Donc, Christ est qui a envoyé vers ceux-là. Christ est quand on aura ou quoi? Donc toi aussi, toi on va finir par expliquer aussi quelque chose. Que toi aussi, ton corps est comme Jésus, qui ressent le Christ, qui est envoyé vers les malheureux, les âmes qui sont dans les prisons. Quand on va dans les voyages là, c'est pour aller délivrer les âmes qui sont dans les prisons. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de. Aux prisonniers! Donc, notez où est les éléments du verset. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour apporter les bonnes nouvelles. Voilà. Apporter les bonnes nouvelles aux malheureux qui sont dans les prisons. Et vous, vous mettez les prisons du triangle comme un triangulaire du Satan. Donc, voilà pourquoi Jésus, lui, est venu. Pour libérer les âmes. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Donc Dieu maintenant vient avec la vengeance. Longtemps j'ai laissé les ennemis. Non, tu dois venger. C'est bon, dit quelque part que la vengeance de l'Éternel. Est le salut. Et aussi, elle repartit la passion de Dieu. Est le salut. Cette vengeance, c'est contre les ennemis. Cette patience, c'est pour que nous nous soyons sauvés. Pour consoler tous les affligés. Voilà. Il est venu les consoler ceux qui sont affligés. Pour que l'heure de votre délivrance a sonné. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de
de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Bon. Gloire à Jésus. S'il y a une loi d'esclavage notée. Une loi d'esclavage. Il y a une loi de délivrance. S'il y a une loi d'esclavage, il y a aussi une loi de délivrance. Alléluia. Amen. Si longtemps, les âmes ont été enclavées, captivées, l'heure du décret qui sera marqué pour leur délivrance est arrivée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons établir un autre schéma sur notre loi qui est plus fort que l'ancienne loi. Il y a eu la loi du commerce triangulaire du monde satanique. Maintenant, par l'œuvre de Jésus qui est venu pour délivrer, le Christ qui a été envoyé Jésus pour venir délivrer, nous avons une autre loi spirituelle. L'ancienne, c'était la loi du commerce triangulaire. Maintenant, c'est la loi du commerce perpendiculaire. Acclame Jésus. On fait ça ici. On fait ça ici. Donc vous allez faire. Ouais, je vous montre ça. Vous mettez ici Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous mettez et vous laissez. Donc vous effacez. Je vous donne une image. Attendez. Acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Acclame Jésus encore. Donc vous allez faire, ne faites pas tout ça. Ici, mettez terre, une origine, sauvée. Origine sauvée. Voilà. Faut que vous n'êtes pas fou, hein. Oui, oui. Vous mettez l'essentiel. Ça dit le schéma, les grandes lignes, vous mettez les grandes dimensions du schéma. Voilà, c'est ça. Gloire à Jésus, acclame Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, lisez-moi. Ça, c'est la loi. Vous avez écrit, donc écrivez la loi du commerce perpendiculaire. Et vous mettez flèche. La loi du commerce perpendiculaire. Assistata. Tu vois, il est que tu m'en veux pas. Et Genèse, verset 12. Moi, c'est pas que les bandes ont un plan. Faites vite, Genèse, verset 12. Moi, c'est pas qu'on n'est pas totalement au bon niveau pour y aller. Genèse 28, verset 12. Je lis au nom de Jésus.
Qu'il y eut un songe, et voici. Il y eut un songe ici, Jacob. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le au ciel. Voilà l'échelle. Ici, attrapé. C'est comme l'échelle. Appuie la terre à l'origine et au sommet le ciel. C'est bon? L'échelle, vous comprenez? Oui, je sais à quoi il y a un Le sommet. Et en haut comme ça, au ciel, et la chair, l'origine, la terre. C'est bon? Ainsi, lisez, finissez le verset. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu faisaient quoi? Montaient, descendaient par cette échelle. En mathématiques, la compta en, en mathématiques, la compta en, nous représentons cette échelle par un segment. Un segment. C'est quoi un segment? C'est une droite de deux côtés. Qui quitte une origine vers un sommet ou qui quitte un point A vers un point B. Relisez-moi le verset. On trace ensemble l'échelle de Jacob comme un segment en mathématiques. Jacob veut à il le dit le verset. Il y a un songe. Uh-huh. Et voici. Uh-huh. Puis le ciel était appuyé sur la terre. Commençons par la terre. Uh-huh. Voilà. Voilà. On fait ça en deux. Voilà. Voilà les. Ici c'est où? C'est l'origine. C'est Henri. Vous mettez origine et terre. C'est l'origine, hein? C'est le point, on peut dire point A ou bien point A, non? Donc, c'est ça l'échelle. Hein. L'échelle commence par là. Le verset dit que ça commence par là. Terre et le sommet est au ciel. Ça, c'est le ciel. Nous sommes en train de. Nous sommes entrés dans la mathématique divine. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Hein? Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, les anges de Dieu montaient. Maoudolo. Oh, il y en a trop peu. Donc, vous voyez comment on a fait les anges de Dieu ici. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Vous pouvez faire comme ça. Vous faites comme ça des escaliers et vous allez monter d'autres qui montent et d'autres qui descendent. Vous êtes dessinateur. Acclamez Jésus pour sa vie. Hein? On dit les anges de Dieu montent et descendent par cette. Donc il commence par le bas et en haut. Au ciel. Commence au ciel et atterrit ça. C'est compris? C'est compris? Ok. Voir le mystère du commerce triangulaire qui a détruit la loi du commerce triangulaire. Mais là, pour attraper ce, il y a un mot assis à ta tournée, tombe ce point de vue. Attends, Jésus, pour l'interprète, il explique, il utilise les mots, il manie la parole. Jean 1:51. C'est une notion particulière. Jean 51. Jean 1, le verset 51. Celui qui descend là. On va faire celui qui monte à gauche. Celui qui descend à droite. Hein? Jean 1, le verset 51. Et vous allez faire les flèches quand il descend. Et il lui dit. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Quoi? Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ou bien?
Reprends la lecture. Ils vont finir. Faites vite. Jean 1, le verset 51. Qui est ici? Qui me suit? Balance les mains, balance les mains. Dis gloire à Jésus. Voilà. Et il lui dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, le ciel ouvert et le sang de Dieu monté et descend. Le ciel ouvert et le sang de Dieu monté et descend. Descend sur le fils de l'homme. Nous verrons désormais le ciel ouvert. Pourquoi le ciel ouvert? Le ciel ouvert où? Quelqu'un pour me venir, quelqu'un pour me montrer, quelqu'un. Sur le tableau, on a montré. Le ciel est ouvert où? Ok, ici. Ça, c'est le ciel où? Ici, c'est la terre. La terre. Donc, on dit les gens de Dieu, montez. Donc, voici les gens de Dieu. Ils sont de mort. Et descendre sur le fils de l'homme. Alors le fils de l'homme sera où alors? On va pas faire ici, vous comprenez? Voilà, mais vous mettez la flèche quand même. Voilà, vous mettez la flèche. Donc il monte, descend sur le fils. Alors où le fils de l'homme va rester? On dit que les gens montent sur lui. Et descend sur lui. Ça veut dire qu'il sera où? Il sera à la terre, ou au ciel, ou au milieu. On dit qu'il monte, descend, il monte sur lui et descend sur lui. Au milieu, quand il veut monter là, il passe sur lui. Il passe par lui et il monte. Quand il veut descendre, il descend sur lui et descend par là. Comme ça, on dit hier, il est au milieu. Ceci n'est pas forcément au milieu, mais il est quelque part, c'est-à-dire au milieu de la de l'échelle. Donc le fils de l'homme va mettre le fils de l'homme ici. Ah, mon côté là, ah non, de Thomas. Non, non, ne notez pas fils de l'homme. Mettez fils de Dieu. Un peu, un petit pour qu'il y ait l'espace. Fils de Dieu. Ici, vous allez mettre Père. Ici, vous allez mettre Saint-Esprit dans l'homme. C'est le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. C'est compris? Non, de Dieu, la mettre. De Dieu, pour qu'il y ait l'espace. Ah, oh, c'est bon comme ça. De toute façon, on va faire comme ça après. Donc, les hommes de Dieu font quoi? Ils montent sur lui. Donc, quand ils montent, ils le dépassent, c'est sur lui qu'ils sont montés. Non, les hommes de Dieu sont sur le fils de l'homme. Mais quand ils descendent aussi par le fils de l'homme. Donc, ils descendent. Donc, lui, il est au mur. Donc, le fils de l'homme est au mur. Ou le fils de Dieu, lui, il est au mur. Les anges montent au ciel, descendent sur la terre. Ils montent par le fils de l'homme, descendent par le fils de l'homme. C'est la Bible, où est-ce que c'est bon de méditer la parole? Ou bien? C'est bon, non? Voilà. Laisse le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme sur la terre. Vous comprenez, non? Ok. Maintenant. 1 Pierre 3, le verset 22. Pierre, tu vas parler de ta tombe. Pourquoi? Blabla, papa. J'ai lu au nom de Jésus. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel? On va lire le dernier verset avant ça. Ok. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Écoutez bien. C'est avec vous qu'on nous annonce, je vais faire le schéma. Cette eau, quelle est l'eau du baptême? Cette eau était une figure. Une figure du baptême. Du baptême. Qui n'est pas la purification qui pas des souillures du corps. La purification des souillures du corps. L'engagement d'une bonne conscience. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Vous aussi. Par la résurrection de Jésus. Par la résurrection de qui? De qui? Je vais vous poser une question. De Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est le fils de l'homme aussi?
Ou bien hein? Qui est que Jésus-Christ a dit? Qui est à la droite de Dieu? Qui est à la droite de Dieu? Ainsi, où est le Fils de l'homme ici? Jésus-Christ. Il est à la terre, où est au ciel, où est au milieu? Au milieu. Alors la droite de Dieu va être où? À la terre, au ciel ou au milieu? La gloire de Dieu sera où? Parce qu'on dit que Jésus-Christ là, lui qui est le Fils de l'homme, c'est à la gloire de Dieu qu'il est depuis qu'il est allé au ciel. Ou bien, donc depuis qu'il est allé au ciel, son esprit est allé à l'éternité. Il est assis à la gloire de Dieu. Ici, il est debout. Et il comparait. Comment souverain sacrificateur. Mais ici aussi il est debout, mais aussi assis. Mais ici, le verset dit qu'il est assis. Donc c'est comme un roi qui est sur le trône. Ou bien? Donc ici, c'est la droite de Dieu. Donc, c'est la droite de Dieu comme ça. En mathématiques, comment on trace une droite? C'est comme un segment. Mais ici, cette droite doit séparer le segment en deux. Parce que le fils... La droite doit être tracée à la position où le fils est sur le segment. Ou bien, c'est ça l'échelle. Wow. C'est ça le segment. Wow. Ou bien, le fils est là, non? Non, ça se passe bien. Tracez ça ici. Ou bien, c'est compliqué. On dit que le fils de l'homme, les âmes montent et descendent sur lui. Ça veut dire que le fils de l'homme est au milieu. Et aussi, ici, on dit que. Ce Jésus-Christ là, qui est le fils de l'homme, là, il est assis à la droite de Dieu. Et je vous ai demandé où est Jésus-Christ sur le chemin. Il est monté au milieu. Alors la droite de Dieu sera tracée. Nous allons, oui, il faut que nous traçons cette droite sur le tableau. Ou bien, la droite c'est quoi? C'est quoi? Une ligne. Donc, le fils de l'homme dit que le fils de l'homme est assis sur cette droite. Ou bien, on va tracer pour vous montrer là où est assis. Le fils de Dieu. Lui descend. Voilà. Voilà. Bon, mettez. Ça, c'est la ligne qui est le fils de Dieu. On a fermé ici. Ici. Mais maintenant, ici. Voilà. 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 Laissez ça comme ça. D'accord. Donc, voilà le fils de Dieu. Mettez ici la droite de Dieu. Membre du Seigneur. La droite de Dieu. Et ici aussi. Vous mettez droite de Dieu. Encore ici. Droite de Dieu. Quand on dit la droite de Dieu dans la Bible, là, voilà comment ça est. Ça répond à le spirituel. Nous, le programme de Dieu, c'est une droite réelle qui sépare l'échelle qu'on vient de lire. Et Jésus est assis là au milieu de l'échelle. Les anges, quand ils montent, ils descendent, ils montent sur Jésus qui est assis à la droite. Ils descendent aussi sur Jésus Christ qui est assis à la droite. C'est compris? C'est compris? C'est compris? Je peux te demander. C'est compris? C'est compris? Quoi? Qui n'a pas compris? Maintenant, c'est bon. Je vous reprends. Jacob a vu une échelle à concrete dont l'origine est à la terre. Le sommet est au ciel. Et on a représenté ça. J'ai dit en mathématiques, cette type d'échelle est comme un segment. Dont l'origine commence de la terre et le sommet vers le ciel. Jean 1,51 nous dit que les âmes de Dieu monteront, descendront sur le fils de l'homme. Et on dit que si le fils de l'homme est ici, il ne peut pas monter sur lui. Il ne peut pas descendre sur lui. C'est au milieu. Lorsqu'il commence à monter, il monte sur lui. C'est-à-dire qu'il monte et ils vont rester en dessus. Sur les chaises, c'est sur lui qu'ils vont monter. Ils vont le traverser pour aller. En descendant, ils aussi descendent sur lui pour traverser un temps. Donc il doit être au milieu sur le champ 1,51. Ou bien, ce fils de l'homme, c'est Jésus. C'est ça, non? Maintenant, dans 1 Pierre 3, verset 2, on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Ça veut dire que depuis qu'il est allé au ciel, il est revenu ici. Ou bien, qui est la droite de Dieu?
Dieu. Maintenant, en mathématiques, c'est ça la droite. La droite, c'est une ligne. Ou bien. Maintenant, comment on sait que le Fils de l'homme, Jésus, est au milieu de segment? La droite de Dieu ne peut qu'être au milieu du segment. Donc, nous avons placé cette droite sur lequel est assis. Le Fils de l'homme, Jésus. Et c'est ça que nous voulons faire. Acclame Jésus. C'est bon? Ok, continue. C'est bon? Maintenant, en mathématiques. La compte à homme. En mathématiques. La compte à homme. Lorsque deux droites. Elle met un plan au feu. C'est-à-dire lorsque une droite. Alors, puis le cas. Vient diviser. Là, tout le monde. Le milieu. Deux segments. Trois. C'est pas penché. Vous voyez, c'est trois. Cette droite vient diviser le segment. En même temps, en mathématiques, lorsqu'une droite vient diviser en deux, un segment droit, en même temps, on appelle la droite, cette droite, la droite paire particulière. Voici la droite paire particulière. En même temps, nous formons en même temps la paire particulière. Formez la paire particulière. Acclame Jésus. Qui a compris? C'est ça en mathématiques. C'est compris? Gloire à Jésus. Jésus-Christ. Voilà là où Jésus-Christ est assis. Donc je viens de vous montrer le royaume des cieux, comment est organisé le spirituel. Pour que le monde soit sauvé là. C'est pourquoi Dieu a établi les choses. C'est par là que nous allons prier. C'est bon? Jésus-Christ. Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 9. Et 2, verset 5. Timothée, pas parler quand toi, et ta boucle, ma chérie. Timothée, le verset. Car il y a un seul Dieu. C'est les enseignants qui vont confondre les scientifiques. Hein. Parce qu'eux maîtrisent très bien. Mais quand on ajoute Jésus dedans, il faut que c'est Jésus qui est le maître de tout. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu. Où est-ce ce Dieu? Où ce seul Dieu est? Oh, mettez surnaturel. Le surnaturel, c'est ici le surnaturel. Il y a un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu. Éternité. Jérusalem d'en haut. Jérusalem est un petit peu. Gloire à Jésus. Voilà. Dieu. Mao. Troisième ciel. Donc c'est ici le troisième ciel est. Et c'est une droite sur laquelle est assis le Fils de l'homme. Donc quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu là, c'est ici. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, troisième ciel. Ça, c'est... Ici, c'est la représentation spirituelle. Ça, c'est surnaturel. Donc, mettez ici, tiré comme ça, spirituel. Le ciel de la spiritualité. Ici, le ciel du surnaturel. Et du pot, il y a pour. Poeta. Voilà. Ciel du surnaturel. Ciel du spirituel. Et vous mettez flèche. Ici, là. Le ciel, le troisième ciel, c'est la photocopie spirituelle du monde surnaturel. Le ciel même là, c'est ici. Vous comprenez quand on fait photocopie là? La photocopie ressemble totalement à l'original, non? Ou bien? Donc le troisième ciel, c'est la photocopie. Le ciel, le surnaturel, c'est l'éternité.
Voilà. C'est bon? Voilà. Et tu peux te dire, verset 5. Si moi, tu vas parler pas, toi, t'as beaucoup comme ça. Et tu peux te dire, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Un Dieu. Et la sœur. Alors. Jésus-Christ. Oh. Jésus-Christ. Oh. Yes, Jésus-Christ homme est le médiateur Dieu. Yes, oui, où est Jésus-Christ homme selon un châssis tricateur? Il est au milieu. Ou bien? Selon tout un pied avec Dieu, Jésus-Christ est où? Au milieu, assis à la droite. De Dieu. Ainsi, quand on dit que il est seul Dieu, le seul Dieu est où? Ici. Il est ici à Dieu, mes fils. Mais que tu es encore ici. Vous comprenez? Il est fils ici. Et Dieu fils de tout même. Maintenant, où sont les hommes? Les hommes sont sur la terre, non? Mettez ici les hommes. On a mis ça, on a mis l'homme. Qui a compris? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un Dieu et les hommes. Voilà la compréhension de ce verset. Tu ne comprenais plus jamais ce verset. Voilà le verset. Le seul Dieu est Dieu, le Père éternel ici. Il est le Fils ici. Il est le Saint-Esprit ici dans notre corps. Sur la terre. Maintenant, il est en même temps le Fils. Il est médiateur en tant que Fils. Ou bien? Donc, c'est pourquoi il disait que le Fils est le médiateur entre le Père et les hommes. Ce médiateur est assis. Fils de Dieu est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur est assis à la droite de Dieu. Combien? En mathématiques, la côte à homme, la droite est particulière qui sépare le segment 2. Qui fait du segment avec la droite une paire particulière est appelée la médiatrice. Est appelée en mathématiques la médiatrice. Christ. Et on vous dit dans 1 Timothée 2:5 que Jésus-Christ, il est le média entre Dieu et les hommes. Acclame Jésus. C'est compris? En mathématiques, quand deux droits se séparent, deux droites, un segment droit en deux, ça fait la paix particulière. On vous a montré ici que ça, c'est la paix particulière. Ou bien mettez ça, c'est mettez la paix particulière. La paix particulière. Donc c'est ça la paix particulière, non? Et c'est la droite qui a fait en sorte que c'est devenu paix particulière. Vous comprenez? Maintenant, en mathématiques, on dit que la droite paix particulière, c'est la médiatrice. C'est la médiatrice. Maintenant, dans la doctrine, dans la révélation, on nous dit que c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite. Maintenant, on dit que c'est Jésus qui est assis à la droite. C'est 1 Timothée 2:7. Que c'est lui qui est le médiateur à la droite de Dieu. Ainsi, le Fils de l'homme qui est assis à la droite de Dieu joue le rôle de médiateur à la droite de médiateur. Acclame Jésus. C'est ça la science du mystère. C'est ça la science du mystère de la parole. C'est dans cette loi que nous on est venu. Pourquoi est-ce que c'est différent? Allô? C'est plus franc que pour Satan. Pour Satan, c'est triangulaire. Ça, c'est la ruse, la dissimulation. Pour le Seigneur, c'est droit. On dit droit de Dieu. Dieu ne fait rien. Tu es toujours droit dans ces choses. C'est donc penché, penché, triangle. Il est le rusé, une dissimule ses yeux. Et il trompe les hommes avec les trois yeux. Qui sont les trois angles de ces trois royaumes. On vous a montré, on a fait les yeux. Les angles. Ok. Mais Dieu, il fait les choses droit. Droit. Acclame Jésus. Ok. La médiatrice, droite médiatrice. Plutôt que nous prenions l'accord. Droite médiatrice. C'est compris? Quoi? En mathématiques, la droite qui sépare le segment pour faire de ça une perpendiculaire est appelée médiatrice.
Et la Bible nous dit, ça veut dire tout est dans la Bible, la mathématique là. Ce n'est pas les hommes qui ont créé. C'est Dieu qui l'a créé depuis tout. Les hommes ont pris ça et l'ont enseigné. Parce qu'ils ont compris de Dieu. C'est quoi dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Eux ne craignent pas Dieu, mais utilisent la science de Dieu. Sans craindre Dieu. Mais nous, ce n'est pas à craindre Dieu que l'on a la révélation du Saint. Acclame Jésus encore. La médiatrice, la droite qui sépare le Seigneur, qui crée la paix particulière. Jésus est à la droite de Dieu. Et dans le qui est à la droite de Dieu, selon 1 Pierre 3, 22, en même temps, la droite sur laquelle il est la droite médiatrice. Et cette droite médiatrice lui permet de jouer à cette droite, à la paix particulière, une de médiation entre Dieu et les hommes. C'est ça. Acclame encore Jésus. Ici. Le commerce en paix particulière. Tu ne peux pas quoi? Ah si, tata. Le commerce en paix particulière. Le schéma de la loi du commerce en paix particulière de Jésus-Christ. Nous, tata. Ou bien tu vois. C'est bon? Qui est présent? Qui est présent? Qui est présent? Qui est présent? Balance les mains. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 7. Tu peux trouver que balin, bat ton tableau. Tu commences. 1 Pierre 2, verset 7. J'ai le nom de Jésus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Il y en a vu un angle. Dans le commerce triangulaire, on avait vu des angles. Dans le commerce triangulaire, on a vu un angle. C'était quel angle? D'autres m'ont dit aigu, c'est aigu, non? Okay. Donc on va rectifier. Donc l'angle qui de l'épithéale et qui latéral. C'est un angle aigu, c'est ça? C'est vous les mathématiciens. C'est un angle aigu. Voilà. Donc l'angle, pour elle, c'est aigu. Donc c'est comme une fille, c'est aigu. Ça pique, non? C'est aigu. Satan prend ça pour piquer, pour tromper les hommes. Pour faire du mal aux hommes. Pour le ciel, n'est pas aigu. Pour ça, ne fait pas du mal. C'est droit. Ça, mais sur le droit, c'est l'air. C'est ça qu'on appelle pour le ciel, c'est la droite de Dieu. Donc, En mathématiques, la compte à homme. La droite perpendiculaire. Africaine Jova Tome. Qui est la médiatrice? Crée un angle. Ça crée un angle. Le triangle équilatéral crée un angle. C'est un angle aigu. Qui pèse. C'est comme. Oh, c'est un peu l'aiguille. 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 L'angle de la perpendiculaire est appelé. L'angle de Jésus n'est pas un angle aigu qui passe, mais c'est un angle qui met sur le droit chemin. C'est ça le droit chemin. C'est clair. Acclame Jésus. Donc ça vient d'un droit, non? Lisons maintenant 1 Pierre. C'est quoi 1 Pierre? Verset combien? Non, 2, verset 7. Nous allons comprendre maintenant que la science des mystères de la Bible. Et c'est pas cette loi que l'on est délivré. C'est pas ça que l'on est délivré.
1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Ah, l'honneur pour vous qui croyez en l'esprit qui est né de Dieu. C'est ça. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. Est devenue la principale. Est devenue la principale de l'âme. De quel âme? Acclame Jésus. Vous-même, vous l'avez reconnu. La pierre dont les baptisants ont rejeté. Jésus est celui dont les baptisants ont rejeté. Mais Jésus est devenu la principale. Donc l'âme doit va rester à la principale. Jésus est la principale. C'est la loi du commerce perpendiculaire du royaume de Dieu. Jésus-Christ va être la principale au milieu, au centre. C'est ça la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté. Donc, mettez 90 degrés. En mathématiques, l'âme droite, c'est 90 degrés. Là, combien? Et je vous ai dit, lisez-moi 43. Galates 3, 13, c'est quoi? Galates 3, 13, c'est quoi? Christ a fait quoi? Nous a délivré de la malédiction. Nous a délivré de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au poids. Le verset suivant. Par sa malédiction, nous sommes bénis. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les voilà. Accomplissement. Comme Jésus est devenu malédiction, nous devons avoir la bénédiction. Ou bien, je vous explique comment Jésus lui nous bénit. Dans la loi du commerce perpétuel. C'est dans la mathématique divine. Ok. Matthieu 13. On dit que le roi de Dieu est semblable à un homme qui sème. Il a semé à trois endroits. Et le point aux trois endroits, on dit que cette semence n'est pas tombée sur de bonnes terres. Mais quelque part, on a dit que cette semence est tombée sur de bonnes terres. Dans le verset 8, on dit quoi? Matthieu 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ça, c'est la bonne semence qui doit hériter la bénédiction. Ou bien? La bonne terre, c'est l'esprit de l'homme qui est arrivé au troisième ciel. Elle donna du fruit. Elle pleine de sang. Donc, si Jésus nous rejette, nous délivre de la malédiction de la loi. Voici la bénédiction qui nous tombe. Normalement, notre bénédiction doit être à 100%. Ou bien 100%. Donc il nous donne le 100%. Il donne un grain combien? Le 100% de la bénédiction. Un autre 60. Notez tout ça, ce calcul. Un autre 30. Mais c'est la bénédiction de Jésus. Il nous donne combien? Jésus nous donne 100. Quand on sème, on récolte 100. Combien? Maintenant, en plus du 100%, il nous donne combien? 60. Et 30. 100 plus 60 plus 30 fait combien? 190. Ou bien? On devait normalement avoir 200. Le double. On parle de la Bible d'un homme, mais on parle de la bénédiction vient au double. Ou bien? La bénédiction vient au double. Au double. C'est au double que la bénédiction doit venir. Et la bénédiction aussi est donnée au centuple. Quand on dit centuple là, c'est une bénédiction qui dépasse. C'est 1000 fois 10. Ça veut dire 10 000. À peu, fois, à peu, de pas mon à peu. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est 190? Nous, quand tu as dit, je te bénis, tu sais que tu me récoltes avec Jésus là. Tu dois d'abord recevoir 200. Tu dois recevoir d'abord 100 francs de 100%. Et il te donne encore 100% sur ça. Ou bien? Alors quand lui veut te bénir là, il te dit d'enlever ta dîme. La dîme c'est combien? 10%. 100. Ok. 100 ou 10 fait combien? 200 ou 10 fait combien? 190. Ou bien? Et si on considère que les 100 qui nous doivent donner, ça nous appartient déjà. Et maintenant, si on enlève les 100, on met les 100 de côté. Non, les 100 appartiennent. On dit que les 90 sont le bénéfice.
façon. Ou bien, parce que quand tu prends les sables, tu donnes ta dîme. Ça devient 90. Donc la 90 devient quoi? La 90 devient la bénédiction que Jésus te donne en plus des sables que tu as devenu recevoir lorsque tu fais une semence et que tu dois récolter. C'est compliqué à comprendre. C'est deux cents qu'il va te donner. Alors, et maintenant, il te donne ça, il y a 10. Parce qu'il sait que quand tu donnes les 200 là, tu dois obligatoirement donner 10%. Donc Jésus, lui, il ne réduit pas les 10% de temps. Parce qu'il sait que tu dois le donner obligatoirement. C'est ça la bénédiction. Maintenant, si on enlève les 100, ça, les 190 moins 100, ça redevient combien? 190 moins 100, ça devient 90. La 90 devient la bénédiction que nous avons hérité par la loi du commerce perpendiculaire. Le commerce perpendiculaire enlève 10%. Alors ça devient 90. Donc 90 ans est la bénédiction que Jésus accorde dans la loi du commerce perpendiculaire. C'est compris? Maintenant, on dit que c'est Jésus qui donne cette bénédiction là. Il est assis à l'angle droit sur la toile de béton qui est la média. Donc cette bénédiction qu'on a vue dans Matthieu 11, Matthieu 13, 8, qui fait 90, en réalité représente les 90 degrés de la droite. Acclame Jésus, qui a compris? Qui a compris? C'est ça le Seigneur Jésus au Père. C'est comme ça qu'il est là. Il ne donne aucun chiffre en fait. Il annule la loi de la malédiction. Il annule le commerce triangulaire. Il nous donne la bénédiction. Cette bénédiction est à 90 degrés. Ou bien, donc cette bénédiction qui est à 90 degrés, qui est à la droite de Dieu. En mathématiques, l'angle de la droite de la perpendiculaire est appelé l'angle droit. Dans la révélation, c'est Jésus qui est sur cette droite. Et nous venons de voir dans Matthieu 13 que la bénédiction que nous recevons est 200 moins 10. Parce que Jésus enlève la dîme, nous on donne la dîme. Si on enlève les 100, les 190, ça devient 90. Donc ça veut dire que 90 est la bénédiction qui vient du troisième ciel, qui descend dans notre esprit. Quand nous mettons en pratique la parole, et quand il nous délivre de la loi, il commence à triangler. Donc, la bénédiction que Jésus donne, qui est 90, en réalité, elle est 90 degrés de l'angle 3 en mathématiques. Acclame Jésus. Vous êtes bien, 90 ans est la bénédiction qui nous donne la loi du commerce perpendiculaire. Et ces 90 est les 90 degrés de l'angle droit. Donc Jésus lui donne la 90 degrés. Donc quand tu pries là, c'est 90 degrés Jésus te donne. Quand tu dois donner la dîme, c'est très important de donner la dîme. C'est pas ça qui sauve, mais c'est obligatoire. Pourquoi? Pour que dans la loi du commerce naturel, spirituellement, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Ce n'est pas ça qui te sauve, non. Mais c'est important, c'est une loi spirituelle. C'est moi, Jésus a fait moins. Il pouvait dire 200. Mais quand quelqu'un a vu que c'est 90, il a enlevé ses 10%. Et c'est parce qu'il a enlevé ses 10% que c'est devenu 190. Parce que même enlève les 100, le 100 vous appartient.
appartient. Mais le 90 devient la bénédiction plus que les victoires. C'est ça, le 90 devient de l'âme 3. Or, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et la paix particulière qui est l'angle, qui est le croisement de la médiatrice et du segment, donc aussi 90 degrés. C'est bon? C'est ça la loi du commerce perpendiculaire. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ainsi, allez. Il y a une autre loi dans le spirituel. Aujourd'hui, l'enseignement va un peu prendre. On ne va pas beaucoup prier aujourd'hui. Demain, on a réservé demain pour beaucoup prier. Après les questions de pouce. Nous sommes déjà à la fin, presque à la fin de l'enseignement. Donc, on voit. Voilà. Voilà. La loi du commerce perpendiculaire obéit à une autre loi aussi. On appelle cette loi la loi de la représentation. C'est quoi une représentation? Une représentation, c'est l'image du réel, de quelque chose du réel. C'est comme un type. Combien? Une image, un représentant. Donc la loi de la représentation régit, c'est une loi par laquelle il y a un représentant qui représente quelque chose. Alléluia. Donc dans la loi de la représentation, il y a une loi spirituelle qui, par laquelle Dieu va représenter tous les prisonniers de l'art du monde. C'est pas cette loi que Dieu va représenter tous les prisonniers du monde. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour les commerçants vont comprendre. C'est la loi du commerce fait particulier. Alléluia. Lisez-moi Lévitique 19, verset 9. Qui est édifié ce soir? Qui est édifié? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Lévitique 19, le verset 9. J'ai le nom de Jésus. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras au coin de ton champ. Excuse-moi. Lévitique 16, verset 9 à 10. Lévitique 16, verset 9 à 10. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alléluia. Ici, c'est une préfiguration. On dit qu'Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort de l'Éternel. C'est l'Éternel qui choisit ce bouc. C'est Dieu qui choisit ce bouc. Vous connaissez un bouc, non? Alléluia. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Avant de la loi de Moïse, les ceux qui pêchent et qui sont remplis d'iniquité, comment on faisait? C'est un animal qu'on mettait et on imposait les mains, on mettait le péché dedans. Et on tue l'animal, on prend son sang, on prend son corps, on le jette dans le désert. Ou bien on brûle, d'autres cas on brûle. Et ici, on prend le sang, on va mettre sur le propitiatoire. C'est sur un petit autel de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. C'est compris? Pour que quand le sang monte sur ça, le sang, quand le sang est là, c'est pour photographier? Ok. On va encore retourner. Quand vous allez passer, continuer l'équipe.
Mais quand on va démontrer, vous allez tourner encore. Donc vous allez, quand vous vous effacez, vous mettez la loi de la répentation. Et vous mettez le verset de Lévitique. Donc, ce sang est mis sur l'autel. Vous comprenez? Donc ce sang là, quand le sang est là, le sang sera en train de couvrir les péchés. Je ne verrai plus les péchés. Si tu pêches dans ce temps-là, je ne vais plus voir tes péchés. Quand le sang est là, c'est comme un sacrifice. Le sang, Dieu voit le sang. Quand Dieu voit le sang, en même temps, il oublie les péchés. Mais malgré ça, ça ne sauvait pas. Ça ne rachetait pas. Parce que chaque fois, les péchés se renouvelaient. Chaque fois, pas les mêmes sacrifices. Vous voyez? Dans le sang du bouc là, le bouc va réprendre le peuple. Combien? Et le sang va réprendre les péchés du peuple sur le portail, sur l'autel, dans le lieu très saint. Avant cette loi de la réparation dans le royaume de Dieu, les ténèbres qui t'avaient accusé ont aussi utilisé cette loi de la réparation. Dans le monde spirituel, du commerce calculé. Et aussi, ils vont faire des sacrifices d'animaux pour mettre le sang sur des autels. Mais vous les voyez, vous connaissez ça? Lorsqu'on met ce sang sur les autels, lorsqu'on met le sang de ces animaux sur les autels, tant que le sang est marqué sur les autels, qu'il soit toujours être condamné dans les prisons de ces familles, dans les prisons de cette sorcellerie, de ces esprits méchants, tu commences en triangulaire. Parce que le sang, dans le monde spirituel, le sang parle. Le sang parle beaucoup. Donc dans le monde spirituel, le sang parle beaucoup. Le sang parle. Le sang a un cri dans le monde spirituel. Alors oui. Tant que le sang crie sur le propriétaire, Dieu va. Tant que le sang se crie sur le propriétaire, Dieu va se sauver de le péché et le couvrir. Maintenant, le monde spirituel, Satan va prendre le sang. Pour ce sang qui soit versé par les sacrifices d'animaux là, qui toujours contre les hommes pour acheter les âmes, pour qu'ils soient toujours condamnés à la prison. Donc le monde spirituel aussi, satanique obéit à cette loi de la réparation par le sang. Donc les grands sacrifices spirituels sont faits par le sang. C'est pourquoi Dieu lui-même a préfiguré le sacrifice parfait par le sang. Mais on nous dit que il y a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oui, c'est le sang de Jésus. Ce sang crie. Et fait quoi? Caïn est le type du commerce triangulaire. Et la révélation. Caïn. Dans la relation, Caïn est le type du commerce triangulaire. Abel est le type de tous les prisonniers victimes du commerce triangulaire. Vous comprenez? Ainsi, nous disons dans la révélation que Caïn, ancien royaume spirituel de Satan, qui a tué Abel, bien le prisonnier innocent. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Et le sang de Jésus est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Pour faire quoi? Pour défendre Abel. Pour réclamer vengeance à tous ceux qui ont participé ou bien à Caïn qui a participé à la mort d'Abel. C'est ce que nous disons. De la même manière que les ténèbres, pas une loi de réparation. On fait des sacrifices avec du sang. Pour parler contre toi, pour parler contre ta destinée, pour t'emprisonner, pour te combiner. C'est la même manière. Le Seigneur institue une loi de représentation spirituelle. Pour que le bouquin soit, fait quoi? Soit étanché. Et ton sang soit porté dans le sanctuaire. Pour expier ta péché. Et son corps sera détruit où? Dans le désert. Ainsi nous disons que Jésus-Christ, dans la révélation, est ce bouc émissaire.
Et ce bouc émissaire qui a été livré un sacrifice pour que son corps soit ouvre dans le désert, dans le confortable, hors du camp, hors de Jérusalem. Lorsque son corps s'ouvrira hors de Jérusalem, en confortable, dans le désert, son sang qui dira son corps et son esprit transportera son sang et ira dans le lieu très saint. La même année que cela s'est passé dans l'ancienne alliance. Acclame Jésus. Le sang de Jésus va au lieu très saint. Comme l'ancienne alliance. Mais le corps du bouc, parce que Jésus est venu comme un bouc émissaire pour remplacer. Son corps va dans le désert. Et le corps du bouc Azazel va dans le désert pour être détruit. C'est comme ça que son corps a été brûlé. Or tu t'as à la croix. Dans le désert, le corps. C'est pourquoi on dit dans les années 60 que il fera vengeance. Il criera jusque le puissant d'Abel. Puisque depuis le commencement, le commerce triangulaire par Caïn, qui est son type, a commencé par détruire des innocents. Et comme le sang d'Abel a crié vengeance, Jésus est venu pour sauver tous les esclaves du type d'Abel qui ont vécu par le commerce triangulaire de Paris pour qu'ils soient libérés. Maintenant, nous disons que Jésus-Christ est la réalité de ce bouc. Ce bouc émissaire de Lévitique est l'homme des choses à venir, dont la réalité est accomplie à Golgotha. À Golgotha, le corps a été livré dans le désert. Et le sang a été porté au ciel. Pour que le sang de Jésus aille sur le propitiatoire céleste. Pour parler pour toi. Acclame Jésus, on te dit que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus est sur le propitiatoire. Écris et parle pour ton salut. Alléluia. C'est ça la loi de la représentation. C'est ça qu'on appelle le bouc émissaire. Jésus est venu comme un bouc émissaire. Il a rien fait. Mais on va mettre le péché de l'humanité dans son corps. Le bouc émissaire avait aussi les positions des mêmes de péché. Pour que son corps, pour que le péché limité dans son corps soit détruit et que le sang soit porté au lieu très saint. C'est comme ça, Jésus, à la croix, son corps, comme un bouc émissaire, a été livré pour être détruit. Et que son esprit apporte son sang dans le lieu très saint pour parler pour toi, pour te représenter, pour te délivrer de la mer du commerce triangulaire. Acclame Jésus. La loi de la représentation. Alors, qui est maintenant le représentant? Qui est le représentant de l'humanité? De ceux qui sont prisonniers? Qui est leur représentant maintenant? C'est Jésus, non? C'est Jésus qui est leur représentant. Donc, maintenant, on sait, on dit, tu sais maintenant que c'est Jésus qui est ton représentant. Qui est le représentant où? À la droite de Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le représentant. Son sang est porté au lieu très saint. Il est assis à la droite de Dieu et intercède pour toi, pour ta délivrance. Acclame Jésus. Un bouc émissaire, un individu, une organisation, c'est un bouc qui est choisi pour défendre la cause des autres d'autrui, la cause d'autrui. D'une manière, c'est-à-dire lui il est innocent, mais il doit défendre les autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Maintenant,
1, verset 18 à 20. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Oui. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, j'ai lu le nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses. Écoutez très bien. Dans la loi du commerce, paix particulière là. Ce n'est pas par les choses périssables que nous nous sommes rachetés. Je vous explique. Dans la loi du commerce, paix particulière là. Pour séduire les hommes. Combien? Il a payé un prix vil, un prix inutile. Pour acheter les armes. L'argent, il va prêter aux hommes l'argent, la gloire. Il va dire à Jésus, voici le monde, j'ai couvert le monde. Mais on dit que par la loi de la répartition, par le salut, par la rédemption là, ce n'est pas par l'argent physique, ni par l'or physique que nous on va notre rédemption. Non. Satan, lui, c'est avec l'argent et l'or. Et trompe l'humanité avec toi. Ce n'est ni pas or, ni pas argent. Tu lui vas chez les marabouts, ils vont te demander l'argent. Tu lui vas chez les agents de Satan, ils vont te demander l'argent. C'est pourquoi le salut est gratuit. Mais en Jésus, tu n'as rien à payer. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Dans le commerce très particulier, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Dieu a payé le prix pour toi. Il a déjà payé le prix pour que tu sois sauvé. Tu n'as rien à payer. Il te suffit de croire, d'accepter, de demander à Jésus de se manifester en toi. La représentation pour ton salut. Que le sang de Jésus aille au porte à toi. Crie pour toi. Pour que Dieu intervienne. Et guéris ton âme. Acclame Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous vivez. Vous aviez hérité de vos pères. Quelle est la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères? Le péché, la malédiction. C'est ça, je vous ai dit que ça, c'est ce qui se transmet d'une manière génétique. D'une manière héréditaire. Voilà. C'est ce péché qui devient une habitude dans le sang, qui est transmis de génération en génération. C'est ça qu'on appelle la vaine manière de vivre. C'est ça la malédiction qui dit, dans leur famille, ils ne vont jamais se marier. Dans leur famille, ils ne vont jamais vivre. Dans leur famille, non, eux sont livrés à Satan. Dans leur famille, eux sont leur âme est livrée dans les mers. Eux sont livrés au feu des airs. Eux sont livrés au royaume de la terre. Eux sont livrés au cimetière. Eux sont livrés au pandémonium. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Gloire à Jésus. C'est ça la plus belle manière de vivre des parents. Que tu as hérité. Dans la Sainte Doctrine, tu ne vivras pas par leur vraie manière. Tu ne vivras pas dans la Sainte Doctrine par la manière, la belle manière de vivre de tes pères. La conséquence du péché. De ton père, gloire par le pouvoir en toi. Aujourd'hui, par la sainte doctrine, si le péché de tes parents, les enquêtes, la réclamation, aucun hôtel n'a le pouvoir sur toi. Parce qu'à la croix, Jésus est allé à l'hôtel. Il y a un seul hôtel de la croix. Quel est le pouvoir de nous racheter? Tu n'as aucun hôtel à bâtir aujourd'hui pour racheter. Tu n'as aucun hôtel à bâtir aujourd'hui pour la sauver. Tu n'as rien à payer comme argent. Non. Jésus a tout payé. Il a tout payé à la croix. À la croix, il est monté. Il est à la croix. Il est allé se planter. Oui. Sur le chemin qui mène au ciel. Il a ouvert les bras.
pour montrer que c'est lui qui a su à la paix particulière, à la médiatrice. Pas la médiatrice, il te tend les deux mains. Il te dit viens, moi je puisse te sauver. Acclame Jésus. Donc on va prendre le verset avec quelques versets ici. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est pas le précieux sang de Jésus que nous sommes rachetés. Et Joseph dit, le dit que ce sang a été déjà prédestiné à la fondation du monde. Ce sang a été déjà versé à la fondation du monde avant dans l'éternité même. Avant le monde. Ce sang a été préfiguré, a été prédestiné depuis. À la croix, Jésus. C'est l'accomplissement de la l'œuvre de la du sacrifice de l'agneau. Physique. Sinon, l'agneau était déjà sacrifié au ciel. Vous le savez, non? Depuis l'éternité, l'agneau a été sacrifié. Et son sang versait depuis. Mais ce n'était pas d'une manière pas physique. Jean a dit que tout ce qui se passe dans le monde réel a bien été dans le monde surnaturel spirituel. Ou bien, donc à la croix là, l'œuvre de la croix, Jésus le sang, c'était un sang physique. Qui était versé. En réalité, ce sacrifice s'était déroulé depuis au ciel. Bon, ça, il y a un problème. Et on va avoir le Fils pour le représenter sur la terre. Parce que l'homme croit aux choses physiques. C'est une démonstration. Dieu a démontré l'œuvre de la croix par Jésus à la croix pour que nous puissions avoir la foi et savoir que il y a déjà le sacrifice qui existait. Si le Seigneur ne fait pas de démonstration, on ne va pas croire. C'est pourquoi on a amené le Fils pour à la croix pour démontrer combien Dieu a prédestiné l'agneau sans tâche. C'est pourquoi je vous dis que l'agneau était déjà sacrifié au ciel avant d'aller à la croix. Vous devez comprendre cela. Dans le livre de Genèse, Melchizedek va avoir une rencontre avec Abraham. Melchizedek vient voir Abraham avec quoi? Le pain et le vin. En réalité, le pain que Melchizedek prend pour voir Abraham est le corps de l'agneau qui est prédestiné avant la fondation. Et le vin que Melchizedek est venu donner à Abraham est le sang de l'agneau qui est destiné avant la fondation du monde. Toujours c'était physique. Jusqu'à ce que le corps de Jésus et le sang de Jésus, le corps de Jésus souffre à la croix et son sang fesse. Vous avez compris? Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est ça la loi. Voilà. Donc, je vous explique quelque chose. Voilà. Tournez maintenant. Tournez maintenant. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc, je vous montre ceci. Monsieur le tableau, on va faire une photographie. Alléluia. Amen. Donc, montrez ici, mettez commissionnaire et ou représentant. Jésus-Christ est le commissionnaire et le représentant. Jésus-Christ est le commissionnaire. D'abord, mettez Jésus-Christ est le bouc émissaire. Jésus-Christ, Seigneur. Dans la loi de la représentation. Le, dans laquelle nous sommes rachetés. Jésus-Christ est le bouc émissaire dans la loi de la représentation dans laquelle nous sommes rachetés. Jésus-Christ est le commissionnaire et le représentant de tous les hommes qui doivent être rachetés. Notez ça vite. C'est noté, non? Hein? Jésus-Christ est le commissionnaire et le représentant
Jésus-Christ ne coume pas par la loi de la réprobation par laquelle nous sommes rachetés. Il crédimito pour des dehors. J'ai entendu que le Père donnait le Fils. Et le Fils est venu dans le monde, non? Pour payer le prix, non? Ou bien, le prix c'est quoi? C'est le sang de Jésus, non? C'est le sang, le prix, noté, le prix. Le prix du commerce particulier est le prix d'achat dans le commerce particulier est le sang de Jésus. Le prix d'achat dans le commerce particulier est le sang de Jésus. C'est compris? C'est le prix qui a été payé. C'est le sang de Jésus qui est le prix dans le commerce, le prix d'achat dans le commerce particulier. Jésus-Christ veut voir un peu que le. C'est compris? C'est compris? Voilà. Donc le prix a été payé. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans le commerce. Je vais t'expliquer. Trois personnes. Voilà. Non, continuez là. Nous voilà. Et toi? Ou bien? C'est lui le commerçant. C'est lui le commerçant qui vend les marchandises. Non, d'abord, je peux dire, il ne veut pas dire qui vend. Qui achète? Lui, il achète. C'est lui le commerçant qui va faire. Lui, il achète en gros. Vous comprenez? Lui, il achète en gros. C'est lui le commerçant qui vend. Qui vend en gros. C'est compris? Combien? Moi, je suis le représentant de ce commerçant. Je suis le représentant. Cela veut dire que je suis le commissionnaire. En commerce, on appelle le représentant le commissionnaire. Celui à qui on assigne une commission d'aller opérer et acheter au nom de l'acheteur. Donc, c'est lui celui qui va en gros. Lui, l'achète en gros. Moi, je suis le commissionnaire. Celui qui reçoit, tu as commandé moi. Et là, tu as va racheter des âmes qui ont été en prison. Va me prendre mon fils, mon commissionnaire, mon fils, tu dis ça. Mon représentant, mon fils, voilà. Mais voici, l'acheteur, je vais acheter. Venez. Venez me vendre vos armes. Je suis le Fils de Dieu. Venez me vendre vos armes. Venez. C'est moi qui sont. Venez à moi. Vous êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Je suis le représentant du Père. Du commerçant. Je suis le représentant. Je reçois l'ordre. David dit que. Je viens avec le rouleau du livre. Donne-moi le livre. C'est ça le rouleau. Donne-moi le rouleau du livre. Il y a quoi dans le rouleau du livre? Il y a dans le rouleau. Je prends le rouleau. Dans le rouleau là, je dois aller d'abord à la croix. Et voici. Venez, je vous donnerai le repos de vos âmes. Venez vos âmes, venez me vendre vos âmes. Moi, je vais vous payer un prix. Le prix que je vais vous payer en tant que représentant, c'est mon sang que je vais verser. Venez tous les milliards de vous les prisonniers, venez, voici le prix du sang. Mais voici, établi à la loi du commerce particulier. Je suis à la croix, je suis le représentant. Moi, je vais acheter ce que le Père m'a dit d'acheter. Et voici, je viens maintenant racheter. Je vais racheter les armes qui étaient des marchandises à la main du commerçant. C'est ça, c'est lui le diable. Excusez-moi, il n'est pas. Il est purifié. Jésus va prendre la clé. Il a pris la clé. Et arrache la clé. Tu vois, il a écrit que j'ai anéanti la loi du commerce triangulaire. Je l'ai anéanti. J'ai reçu le nom du Père. Détache-les. 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 Détache-les.
Regardez-moi. C'est moi que vous devez voir. Et à vous les marchandises. Suivez-moi. Nous irons au ciel. Je vous ai acheté par le sang de Jésus. Et je vous donne au Père. C'est ça la loi du commerce en paix particulière. C'est ça la loi du commerce particulier. Alléluia. Ok. Voilà, je vous donne ce verset. Galates 4, verset 1 à 5. C'est bon? Vous avez tous tout noté, non? Je dis que ça est là. Le bouc émissaire dans la loi de la terre, par laquelle nous sommes sauvés. Jésus-Christ est là, comme le commissionnaire de la loi. Nous sommes rachetés, voilà. Le prix d'achat est le sang de Jésus. Voilà. L'acheteur, c'est le Père. Et nous plein. L'acheteur, c'est le Père. Et nous plein. Notez ça ici. L'acheteur, et nous plein, c'est le Père. Le représentant, c'est le Fils. Celui qui vend les âmes. Qui l'avait pris en otage. C'est qui? Satan. Donc le prix de rachat est le sang de Jésus. Galates 4, verset 1. Je le nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ici, on vous a dit que vous pouvez être né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes enfant. Donc c'est vous l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Tu dois devenir fils. Or, si tu es esclave, tu n'es pas fils. Là, il y a un club de mariage. Moi, il y a encore esclave. Là, on va dire tu dois d'abord priver, racheter. Là, il y a un prix de quoi qu'il soit le maître de tout. Moi, il y a pas dans le chantant. Mais il est sous les tuteurs. Il est sous les tuteurs. Les administrateurs. Qui sont les tuteurs, les administrateurs de l'héritier qui est encore esclave? C'est les trois mondes. Le prince de l'air, le prince de la terre, le prince de roi, l'esprit de l'air. C'est eux les tuteurs, les administrateurs. C'est eux les pères des âmes non encore achetés, qui sont encore esclaves selon ce verset. C'est ça les tuteurs, les administrateurs. Et je vous ai dit que c'est le roi, le Satan, qui est la mère des âmes non achetées. Ces trois mondes sont la mère, les mères qui gouvernaient ceux qui n'étaient pas sauvés. Mais les trois princes, les esprits des airs, de la terre, de la mer, sont les trois esprits qui étaient les pères. C'est compris? Maintenant, on vous dit qu'il est encore sous l'autorité de tout. Des administrateurs, des tuteurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Les rudiments du monde spirituel de Satan qui régit la loi du commerce qui a vu. Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils le représentant. On a voté l'image maintenant. Le représentant. Les marchandises étaient chez Satan. Les âmes étaient chez Satan comme des marchandises. Le père qui est l'acheteur va commander au fils. Fils, va. Et va te réprimander. Et monte-toi en sa marchandise. Et donne le prix du sang. Parce que le sang des animaux ne peut pas les sauver. Parce que le sang des animaux n'est pas un esprit éternel. Parce qu'un animal ne peut pas sauver lui. Le sang d'un animal, un sang charnel qui reste en un homme. À l'esprit. C'est un homme esprit. C'est l'esprit de Dieu dans un corps humain qui doit sauver les hommes. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète. Rachète, c'est quoi? Quelqu'un était déjà acheté.
dans une prison. Il était acheté comme marchandise. Dans un stock commercial. Dans le monde commence à très bien. Mais là, comme il était acheté une fois, on va payer un prix pour le racheter. Pour le l'acheter de nouveau. Mais celui qui l'achète de nouveau là, le prix qu'il paye lui permet de quitter le stock, de quitter le magasin du commerce circulaire et de venir dans le magasin du commerce perpendiculaire. Le commerce perpendiculaire dirige vers le ciel. Or le commerce triangulaire conduit en enfer. Donc Jésus paie le prix de son sang pour nous libérer du chemin de la prison qui est l'enfer, pour nous amener à la vie éternelle. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Alléluia. Donc tous ceux qui étaient sous quelle loi? La loi du commerce triangulaire. Afin que nous réussissions l'adoption. Afin que nous réussissions l'adoption. C'est maintenant l'adoption qui permettra de devenir un fils. Dès que tu es enfant là, tu es un esclave des démons. Et dès que tu es enfant là, tu dois devenir aussi fils. Quand tu seras fils, ton âme est dans ton corps. Et ton esprit est avec Dieu. Voilà la loi du commerce. Triangulaire. Colossiens 1, verset 13. Et nous allons lire le dernier verset. Nous allons lever et prendre le dernier verset. Colossiens 1, 13. On a déjà prié dans l'enseignement. Combien? Voilà. Colossiens 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, elle nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Levons-nous et proclamons ensemble le psaume 42. C'est les prières, le psaume qu'on proclame, c'est les prières. Ok. Psaume 42. Salomon est à plein de confort. Qui a compris l'enseignement? Qui a compris l'enseignement? C'est ça la loi du commerce perpendiculaire. Jésus achète. Donc vous mettez ici achat et vente. Achat et vente. Comme il y est quoi. Achat. Vous mettez l'acheteur, celui qui envoie. Et ici, c'est le commissionnaire, le fils. Et il vient acheter ceux qui sont ici. C'est ici. Ok. Maintenant, vous mettez achat et vente. Achat et vente, achat et vente. Donc là, les anges là. Dans la eux font monter, descendre. Ah oui, je vous ai dit que dans le monde spirituel, le Satan là, le monde triangulaire, il y a quoi? Échange là. Il n'y a pas de repos. Et les démons, ils sont rapides. Ils achètent des amis, ils font le commerce. C'est comme ça dans le monde spirituel. Les anges montent et descendent. Toujours, pas de repos. En Jésus-Christ, dans le commerce perpendiculaire, les anges montent et descendent. Chaque fois que toi qui prie pour la délivrance, tu déclenches les anges. Il faut aller enlever là. En même temps, il y a monté et descend. C'est ça la loi du commerce perpendiculaire. Proclamons ensemble. Gloire à Jésus. Psaume. Voilà. Ah non, on a déjà proclamé. Non, ça, c'est ça. Ce psaume 142. Salomon, à l'enfant de table, ne voit. Voilà. Psaume 142. C'est bon. Proclamons au nom de Jésus. Je lis, vous proclamez ça. Du fond de votre cœur. De ma foi, je prie à l'Éternel. De ma foi, je prie à l'Éternel. De ma foi, je pleure à l'Éternel. De ma foi, je pleure. Je ne mets pas ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. L'esprit de mon père ici, c'est l'âme. Car mon âme est abattue au-devant de moi. Moi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite. Vous voyez à droite. Ça, c'est la droite. Vous comprenez la droite très particulière. La médiatrice. Jette les yeux à droite. Et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel. C'est à toi que
je crie. Que je dis, tu es mon refuge. Mon partage, mon partage sur la terre des vivants. Sur la terre des sois attentif à mes cris. Car je suis malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Dis mon âme de sa prison. Quand tu m'auras fait du bien, tue mon âme de sa prison par le sang que tu as versé. Seigneur Jésus, tu es la loi de la représentation. Tu me représentes auprès du Père qui me défend contre mes ennemis. Par cette loi, tu anéantis le promesse triangulaire de Satan. Tu me libères. Je déclare que mon âme est libérée. Mon âme est délivrée. Mon âme n'est plus dans le royaume des ténèbres. Jésus a payé le prix pour acheter mon âme de sa prison. Aujourd'hui, mon âme n'est plus dans la mer. Mon âme n'est plus dans les eaux. Mon âme n'est plus sous la terre. Il m'a racheté. Ce n'est pas le sang des animaux qui m'ont racheté. Ce n'est pas le sang des boucs qui m'ont racheté. Jésus, c'est le bouc émissaire qui me représente. Et dans son sang, malade du péché, dans son sang, atteint de l'iniquité. Aujourd'hui, Jésus, par son sang, m'a délivré de la telle manière de vivre comme un père. Il m'a racheté. Non pas par le prix d'argent. Non pas par l'or. Périssable. Dans son sang. Je confesse que Jésus a vaincu les ténèbres. Il m'a délivré du séjour des morts. Dans son sang, je suis racheté. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, mon âme louera les ténèbres. Mon âme louera les ténèbres. Nous allons continuer.